sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie plusieurs par population Donald Trump est dans la tête. Le président Maduro joue la provocation. Il sera à nouveau la première puissance. Sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir résoudre Damas. Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État fait. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé-Caraïbes, la chaîne 22. Bonjour, bonsoir. Moi c'est Fernando Estimé. Moi content d'entrer la CAO dans le cadre de nouvelle sortie émission Sans frontières. Émission Sans frontières, c'est émission radio-télévision Caraïbes poté pour vous, pour aider à comprendre ce qu'a fait. Parce que ce qu'a passé dans le monde international là. Dans l'espace international, il y a des conséquences sur la vie famille, la vie Fernando Estimé. Ça va passer, il faut nous connaître comment il y a pour Haïti capable de positionner. Comment pour Haïti faire pour Haïti tirer et pègler dans le jouet de ça. Comment pour Haïti positionner par rapport à grand dossier qui a marché dans le monde. Tout gros cause qui a passé, Haïti n'a pas vivre en vase close et pas en étant en autarcie lié. Les gens doivent avoir un avis pâle pour le dire. Et il faut le connaître tout comment pour le positionner par rapport à gros intérêt, gros autobré gagné, grande puissance gagné pour le capoter manger la caille là. Pendant tout mois mars là et tout mois avril là, n'a prêté sous diplomatie haïtienne. Sans frontières, a prêté sous diplomatie pays pour nous expliquer comment nous ca fait pour nous faire diplomatie à servir comme un outil de développement. Comment pour diplomatie haïtienne capable attirer investissement fait dans pays a comment pour diplomate nou yo les maspin haïtien l'autre côté pour y al camper puis ou pas faire la guerre moun yo tant kou petit mi sans gardo pour moun yo connaît ou gon moun k'ap défend yo moun k'ap représenter yo tant kou mwen di li Desaline pas fait petit de yo Desaline son messier marié lié toute petite Desaline yo c'est petit en dedans c'est-à-dire ni haïtien a fait pas bon ni haïtien grand nèg tout ça haïtien. Nous sommes en République et dans la République, tout le monde a même droit. Haïtien qui est au Chili, l'el bloqué dans l'aéroport là, faut joindre un consulat qui est en place, qui est tout près là, qui pourra le bal support, qui pourra le demander le sale gain, qui problème ni gain. Les gain activités qui ont fait pédernal, côté gain chasse à l'homme, chasse aux Haïtiens qui ont fait, faut gain consulat qui tout près, m'a connaissé le consulat Baona pour arriver au Mounio, pour demander au sale gain, pour ton support au Mounio. Parce que tout ça haïtien et n'importe côté yé sous la terre m'a dit bien n'importe côté sous la terre l'état haïtien droit protection depuis ça haïtien ou gon passeport dit ça haïtien ou gon pièce d'identité qui dit ça haïtien pièce là c'est pas ou bay tête ou passeport pour le marquer c'est propriété l'état haïtien donc l'état reconnaît tout comme petit li obligé bon protection même si c'est dans l'aéroport Santiago bloqué même si c'est Pedernales ou nan courir ou nan caché même si c'est devant l'aéroport Guimalaria ou fait 4-5 jours dormi avant pour recevoir un petit avion pour ta la gauche li siéger toi objeto l'état doit protection l'état doit tout citoyen la caille protection et bien dans sens ça jodi a moi gen avèm en Azad Belfort qui c'est ancien directeur général ministère affaires étrangères côté nous pral parler de architecture diplomatique haïtienne nan et nous pral parler tout pour comment pour diplomatie a pote manger la kay la diplomatie c'est bagay qui coûte cher on ambassadeur en poste touche en moyenne $7,000 américains le mois donc l'on moun touche $7,000 américains le mois en moyenne faut le pote manger la kay la pour kobli recevoir $7,000 américains ou même k'ap gade la kay ou k'ap pense son gros kob mais m'ap dou pour nèg ki a vive New York pour nèg ki a vive Genève même dans classe moyenne pratiquement le beaucoup arrivé et ambassadeur a obligé gon standard pour le kembe c'est ça qui fait tout l'état mette machine à disposition ni et l'état ballon chauffeur tout parce qu'il pas même j'avec Fernando Estimé il pas va le courir entrer dans train New York pour l'a dit mon cher parce que monter la monter m'va le courir sous descendre l'a descendre m'va downtown Brooklyn non faut le chauffeur avec machine plaque diplomatique les ouel puis ouel son monde qui vient là pour recevoir le gros autobri pour l'autre collègue lui respecter le gon standard de vie et ça fait tout là ou bon petit plein tout quelques petit plein me connait sur WhatsApp pas faire émission gen quelques monde cri l'autre bo qui en poste qu'on a écrit ah m'gen 2 3 mois m'ba touché me dit non le pas normal faut l'état payer yo ou voyer monde dans l'autre bo l'autre bois pas gen caille l'autre bois faut toujours gen caille pour le vivre
et quand l'autre bois même Jacques ici quand on commande délai les mois arrivés c'est jour pour date pour payer donc l'on mette mon nan poste tout soit ballon ti 3 000 $ ou 4 000 $ ou ka toujours balil nous pas dit même Jean avec sénateur qui lui même gon ti cop boisse ou balil qui dans cap compte en millions dit son ti caca rend pas jamais dit ça on paye gain misère comme ça nous pas utiliser expression ça l'on mon a touché 3 000 $ 4 000 $ évidemment côté lié à peut-être que le bac a fait gros ton bagarre avec elle mais l'autre dit ça son caca rend devant un monde qui est en sous journée pour qu'on manger li ta envie font pâté le bac à balancer li envie acheter un petit cola le bac à balancer ou vinn pratiquement un monde qui a agressé mon nan tant pour bon Dieu ta dou donc nous pas faire ça mais diplomatie a grand pile problème et ça intéresser nous en pile et c'est comme ça n'a fait pendant toute session ça dans sans frontières côté nous va inviter des moun qui travaillent dans différents domaines qui touchent diplomatie haïtienne nan, que soit aspect économique, aspect social, relation haïtiano-dominicaine et jodi a nous gen avec nous Azad Belfort qui c'est lui-même ancien directeur général ministère affaires étrangères côté nous bral poser problème architecture diplomatique pays a gen et côté tout n'a poser problème comment pour diplomatie a rapporter Haïti l'argent parce que Haïti son pays pauvre les nous dépensons grain de dollars faut nous joindre bénéfice sous grain dollar faut nous connaître ça grain dollar ça rapporter nous nous gavé nous tout 12 jeunes et moins jeunes qui c'est haïtien tout et qui intéressé dans domaine là qui besoin connaît côté l'agent taxio a passé qui ça l'agent taxio a fait Azad Belfort moi content recevoir dans émission sans frontières merci cher ami et bon merci en bille d'être invité dans émission ça pour nous parler d'un si beau sujet qui c'est diplomatie haïtienne, rôle li, et qui ça li capoté pour payer vraiment. Eh bien, Azad Belfort, combien de temps t'es fait directeur général du ministère des Affaires étrangères? Bon, à peu près 8 mois. À peu près 8 mois. Mais 8 mois en plus de carrière ou de fait? Bon, oui, bien évidemment. Combien de temps on fait en tout dans le ministère des Affaires étrangères? Oh, 25 ans. 25 ans de carrière. M'pa konn si Régis ka voye quelques slides pour nous. Côté Azad Belfort a servi pays. Moi-même toujours prendre responsabilité pour féliciter tout le monde, elle fait bon travail. Azad Belfort, c'est un fonctionnaire modèle que me connais moi-même fait dans deux estimé. Azad Belfort son est qui était marié à ministre affaires étrangères. M'pa konn si monsieur était madame Lakaili, mais ministre elle a été deuxième épouse monsieur. Là c'est Azad Belfort avec ancien ministre Cléris, mais avant c'était avec président Prival. N'a continuer régie. Donc c'est toujours Azad Belfort qui t'a représenté la Haïti dans réunion AEC. Les sorties dans l'institution internationale, probablement. Directeur de l'institution internationale, dans le ministère des Affaires étrangères, toujours. Là, c'est Azad Belfort, là, c'est au Pérou. Et au Pérou. Au Pérou. Donc, là, c'est Azad Belfort, toujours. N'a pas continué. Là, c'est Azad Belfort, qui côté ça, Azad? Et là, c'est à Santo Domingo. Là, à Santo Domingo. C'est la Fondation Leonel Fernandez. Ok, Fondation Leonel Fernandez. Ok, n'a pas continué toujours, Régis. Là, toujours, c'est Azad Belfort. Et devant, c'est ministre Julie Brutus, qui était tout ministre des Affaires étrangères, qui était tout ancien représentant nous dans l'OEA. N'a continué toujours régie. Donc là c'est Azad Belfort avec Emile Michel, là ça n'est pas côté directeur général. Et là ça me directeur exécutif Croix Rouge haïtienne. Ah OK. Donc n'a continué toujours avec et là c'est on image c'est sous on prend tout c'est image toujours dans ta parler de monde qui marque diplomatie haïtienne là. Donc là c'est Dantès Bellegarde. Un très grand diplomate. Un très grand tonton diplomate haïtien. Alors Azad Belfort m'te dit lui moi-même prend responsabilité pour me complimenter monde qui fait bon travail. Azad Belfort ou son équipe servi pays ou et on a occasion ou bay preuve servi pays ou c'est époque tremblement de terre là. En pile moun k'ap gade la gen doit pas te connaître mon son nèg qui monte au front pendant tout on a cherché courir pour ap chercher comment ou famille pour ap chercher sauver yo mais ou même non seulement fait devoir ça mon camper pour le travail avec moun qui vient porter aide bay l'autre moun qui dans difficulté pour aider moun sa yo. Mon cher Azad Belfort, moun k'ap koute la kayo bien peut-être k'ap konnen utilité ou ni ki sorti fait. Mon cher nan non jeune ki avèm yo tout au moins et nan non pam nou remersye ou pou service ou fait pou peyi a. D'ailleurs m'dil ou son fonctionnaire modèle. 25 ans de carrière sans on ligne négative sous CV, mon cher son fonctionnaire modèle, félicitations. Peyi a besoin de moun tankou. Merci. Azad Belfort, ou ancien directeur général ministère affaires étrangères. Nous même qui là, probablement pas qu'on est comment ministère a fonctionné, est-ce que ça a fonctionné qui architecture li. Par ici son kay fait, kay la gon jan le fait, li gon jan le dressé. Qui j'architecture ministère affaires étrangères a fait?
Bon, il faut qu'on ait avant tout que le ministère a une loi organique qui régit. Et le ministère organisé en fonction de la loi organique. Et il est organisé d'une manière très classique, genre des chancelleries longtemps qu'on organisé, au grand au ministre, qui avec cabinet, qui c'est tête politique ministère. Là. Et puis ensuite, au grand direction générale, là, qui lui-même qui c'est tête administrative. Là. Bon, qui vient de contre l'aspect politique, avec la constitution 87, là, parce qu'ils sont arrêtés. Qui nommait alors qu'autrefois c'était pas comme ça, parce qu'on dit que c'est administratif, on dit que c'est général, on dit que c'est lié avant tout, mais il y a un petit aspect politique avec question de. Nomination, c'est arrêté présidentiel. C'est arrêté présidentiel qui nommait. Donc, le directeur général lui-même, c'est lui-même qui est censé régir toute direction technique qui est dans le ministère. Il y a un ministère qui a plusieurs directions techniques, et Jean Ronner, ou la direction des affaires politiques. Direction des affaires culturelles, direction des institutions internationales, direction des affaires administratives, direction du protocole, direction des archives. Et vous avez la direction économique aussi. Donc c'est toute direction technique ça, y compris direction consulaire, qui est en bas et direction générale. Là. Et direction ça, c'est poumon et ministère. Surtout les quatre principales directions techniques. Qui sont ? Direction politique, direction. La direction des affaires politiques. Des affaires politiques, direction culturelle. La direction culturelle. La direction économique. Direction économique de la coopération. Et la direction des institutions internationales. Congrès et conférences. Congrès et conférences. Qui lui-même occupe de questions de relation à Haïti avec organisations internationales. Et puis de toutes questions multilatérales. Et son direction qui est extrêmement importante dans le ministère des Affaires étrangères. On a toute chance là. Est-ce que l'architecture ça ou saut de banouan lui répond avec priorité 2018 que nous là dans ou là dans le monde nous vivons en 2018 là? Est-ce que l'architecture ça dit que loi organique qui était là depuis qui année loi organique là? Oh, lui là depuis après départ ex-président Jacques Duvalier. Donc année 86-87 probablement? Oui, 87. 87. Est-ce que loi organique 87 là répond avec ça n'a vivre qu'en 2018. Bon, toujours un débat dans la chancellerie sur la question de faire renouveler et loi organique, parce que n'est pas fini correspondre à la réalité. Je vois actuellement que le ministre actuel. Qui c'est Anthony Rodé? Anthony Rodé, je connais que les gars équipe qui travaillent sur la question de ça contre Guichan pour ta remanier et loi organique là, et voilà, structure au ministère. Mais c'est pour un bagaille qui est aisé, qui est facile. Tout d'abord, il y a le poids des habitudes. C'est pas comme ça qu'on va le changer. Bousculer bail. Parce que naturellement, les hommes sont réticents au changement. Et oui, il y a de cela aussi. Et puis maintenant, changer l'architecture, rebrasser quatre, ça demande un peu d'argent aussi. Il faut augmenter le budget. Si Jean, le ministère, venir, on est pas le refaire pour réaligner le coin. Bon, c'est le département d'Adioufel en fonction du département géographique. Et la bon, le diffusion géographique qui est sous la terre. Yeah, c'est ça. La bon, mais ça va demander beaucoup de personnel et beaucoup d'argent aussi. Le personnel, on va le recruter, il faut payer. Ah oui, nécessairement. Parce qu'on parle des directions d'Amérique du Nord, direction d'Amérique latine, direction d'Europe, direction d'Afrique. Ça demande beaucoup de moyens, et ressources humaines. Et donc beaucoup d'expertise. Et si vous appelez ressources humaines, il faut gagner l'argent qui augmente. Ouais. Par exemple, 30 000 gouttes, 32 000 gouttes, 31 000 gouttes, bon, oui, attaché. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. OK. Ministère là, vous parti, puisque le ministère des Affaires étrangères, là où parlez-nous de à l'interne. Comment l'hierarchiser tout à l'externe? Non, il y a service externe. Externe, bon service interne, nous sommes parlés de lui. Comment service externe a fait? Bon, service interne, ce sont les différentes ambassades, les missions et les services consulaires. Par exemple, dans plusieurs pays, nous avons des ambassades, comme par exemple au Canada, aux États-Unis, au Mexique, et au Panama. Et nous avons 49 missions diplomatiques en tout et un bureau commercial. Qui est en Chine? Qui est en Chine. Alors, le camp du club dit 49, il faut compter consulat. Ok. Compter consulat, il y a un bac où nous avons tout l'ambassade. Ok. Tu vois, en Europe, c'est peut-être 4 ou 5 ambassades au grand. En Europe, nous connaissons nous Bruxelles, nous connaissons Genève, donc Genève, nous connaissons nous Paris. Il y a l'Allemagne. Il y a en Allemagne, oui. Il y a l'Italie. En Italie, oui. Il y a l'Italie et
L'Espagne fait 6. Okay. Et l'Espagne. À la seule différence qu'en Suisse, par exemple, nous avons une mission, nous n'avons pas une ambassade. Ah oui, la mission est auprès de l'OMC. Auprès des Nations Unies. Des institutions internationales. C'est ça. Okay. Nous n'avons pas une ambassade spécifiquement qui est accréditée auprès de la Suisse. Okay. Dans le temps, tu as des velléités pour te faire ambassade à Boldegale et à Berne. Mais même moi, la Suisse a une ambassade ici parce que, et semaine ça, tu es maître de cérémonie dans et Journée internationale de la francophonie. Dans la gala, tu as fait pour Journée internationale de la francophonie, tu es maître de cérémonie. Ambassadeur suisse là, par contre, tout l'autre ambassadeur francophone, tu prends la parole. Donc, ambassade suisse là, ici en Haïti. Oui. Donc, la Suisse a une ambassade ici. Réciprocité à table que nous avons bientôt. Oui, dans le temps, je t'ai parlé un peu de ça. Mais ça demande des moyens pour une mission qui est Genève et pour une ambassade qui est à Berne. Et bien, n'est pas très loin de Genève. Et l'interconnexion est très, très facile en Suisse. Dans la pratique, mission servie de l'ambassade. Oui. Mais dans la réalité, c'est une mission. À disons, qui est accréditée beaucoup d'organisations internationales. Okay. Alors, nous-mêmes qui avons écouté là, peut-être moi-même, moi, je sais, mais les gens qui l'ont pas forcément connu. Ba nous gens sont fait pour ministère l'hiérarchie qui gagne l'ambassade. Et qu'est-ce que tu as pas l'hiérarchie? Ambassade là qui monde qui en tête, qui monde qui vient après comme fait même gens sont fait pour ministère. OK, bon non ambassade. Non ambassade ou bien non mission à la tête il y a l'ambassadeur. Ou bien dans la mission il pas tellement parler de ambassadeur bien que son ambassadeur parler de représentant permanent. Mais c'est à peu près la même chose. Et immédiatement après ambassadeur là, vous avez un ministre ou bien des ministres conseillers. Alors que rien de l'autre ambassade, de l'autre mission, par exemple, ou un grand ambassadeur titulaire à la tête, ou grand deux, trois autres ambassadeurs. Mais dans le cas où vous avez une mission, que vous avez plusieurs ambassadeurs, vous avez un ambassadeur, et puis en bas ambassadeur, vous avez des ministres conseillers. Et après les ministres conseillers. Dans le cas de Genève particulièrement, on peut poser une question. Est-ce que Mme Meuse, qui est seconde et pierre de Baba, a un ambassadeur? Est-ce que l'ambassadeur adjoint ou lui-même? Parce que c'est un ancien directeur général. Ah, ok. Donc, vous même tout, vous avez un grand ambassadeur comme ancien directeur général? Oui, depuis mon directeur général, au sens de grand ambassadeur. Ah, ok. Vous avez le grand ambassadeur? Le grand ambassadeur, vous le conservez définitivement? Eh bien, mon chef, vous me dites, monsieur l'ambassadeur, vous commencez, donc vous continuez, monsieur l'ambassadeur. Non. Donc, qui continue avec l'INA? Si l'ambassadeur est au désir formellement, ok. Ou mon papier qui va. Mais automatiquement, vous êtes directeur général, vous avez le rang d'ambassadeur. Comme quand vous êtes ministre et quand vous êtes directeur, vous avez automatiquement le rang de ministre conseiller. Ah, ok. Parce que internant, c'est moun ça ou probablement à l'externe, même si député Rambaye là net dans le dernier temps ça y est. C'est ça. Mais ok. Lorsque c'est premier assistant, automatiquement, vous avez le rang de conseiller. Ah, ok. Si vous êtes à l'extérieur, sans promotion, vous allez comme conseiller. Ok. C'est à vous avec promotion ou bah, une ministre conseiller. Yeah. Alors, nous avons parlé de l'ambassade là, comment l'hierarchie là. Et vous avez dit, dans tête ambassade là, grand ambassadeur, deuxièmement, grand ministre conseiller pour les gens qui l'ont accueilli. Ministre conseiller ou bien des ministres conseillers. Des ministres conseillers, qu'on y a continué avec l'hierarchie là. Vous avez des conseillers, un conseiller ou bien des conseillers. Ça dépend de. Grosse ambassade là. De taille ambassade là, de l'importance de tout. Ensuite, vous avez premier secrétaire qui, des fois, allait jusqu'à deuxième, troisième secrétaire. Après, c'est du personnel de support. Le personnel de support, il est haïtien ou bien il est recruté sur place? Lors du personnel de support, là, il dit secrétaire, mon cap balé, en ambassade, la chauffeur. Secrétaire, chauffeur. Bon, généralement, c'est mieux que ça soit un monde qui comprend, qui n'a lieu côté ambassade là. Donc, ça veut dire pour mon cap côté la caillou, pour comprendre ça, vous voulez dire, chauffeur cap conduit ambassadeur, nous, secrétaire qui n'a mission, yo, gen la de ou gen doit pas haïtien. Ou bien probablement, il faut pas haïtien. Le plus souvent, il n'y a pas haïtien. Parce que ce sont des recrutés sur place. Okay. C'est des gens qui ont un contrat. Ok, est-ce que pas qu'on a fait de... Et ils payent en fonction de coût local. Là. Oh, en fonction du niveau de vie local là. Oui. Donc probablement, ils ont touché bien cher tout si c'est Genève lié. Bon, il y a tout ça tout. Il y a tout ça tout. Ok. Parce que leur recruter, il faut respecter les lois du travail du pays. Les lois du travail du pays. Oui. Ok. Alors... Ou t'es parlé pour ambassadeur, mais ou t'es parlé de consulat. Comment consulat est organisé? Ou même, bah nous, même description, hein, je suis fait pour ambassadeur. Bon, consulat, vous avez, on est grand consulat, c'est consulat général, oui. Par exemple, à Miami, il y a un consulat général, qui c'est à Miami, on est au grand d'autres consulats qui emballent. Ou à Orlando, qui emballent. À New York, c'est, à New York, vous avez un consulat général. À Chicago, vous avez un consulat général.
qui pratiquement qui dépend de l'ambassade d'Haïti à Washington. Mais comme il y a des endroits éloignés, il y a une certaine marge, d'autonomie. Tandis que de l'autre consulat, c'est un ambassade là qui est. Oh, ok. Donc, contrôle là. C'est un monde qui est un ambassade là qui remplit le consulat. On remet le consulat. Alors, pour Chicago, ce prend exemple, ça arrive souvent pour Chicago. Même moi, on couvre une grosse circonscription. Parce que les gens qui ne sont pas aux États-Unis, il faut me dire que les États-Unis, c'est un plus gros pays sur la Terre. Ça fait 9 373 000 km². Chicago, dans l'État Illinois, même moi, circonscription Chicago, ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire Los Angeles, California. C'est Chicago qui est sous compte. California pour aller à Illinois. Je me dis que ça, la plus facile, vous faites 3 fois Haïti. En avion. Pour toute Californie pour aller à l'Illinois là. Donc, distance gros. Les mêmes qu'elle couvre n'importe 17 ou bien 18 États. Oui, parce que. Ça dit pratiquement tout le sud des États-Unis, il jusqu'à Californie. Non, pas tout le sud. Il couvre l'ouest. Parce que Atlanta dans la zone, tout. Pas Atlanta couvre. Non. Il couvre l'ouest et la Californie, tout ça. Et puis tout ce qu'on appelle le Midwest. Le Midwest, oui. Le Midwest. État qui est dans centre États-Unis. États-Unis. Il couvre tout le Midwest là. Tout le Midwest là dépend de Chicago. Atlanta lui-même qui Georgia lui-même couvre qui côté? Non, les grands propres consulats parlent. Par contre, si on fait mal, on y a. Mais à certains moments, les grands consulats parlent. Ah, ok. Donc, dans la zone, si nous sommes en bas, Floride, nous avons Miami, nous montons Orlando, nous avons consulat tout, et puis nous montons Atlanta, Georgia, qui est tout pour la Floride, tout, nous avons consulat. C'est ça. Et c'est dans la zone ça où la population haïtienne est plus concentrée, probablement. Oui, New York. Tout le monde avec un consulat, une population haïtienne qui est concentrée. Alors, grand pile New Jersey, gardez chaud à sous. Internet, sur page YouTube Fernando Estime ou bien sur page Facebook Fernando Estime, je me pose des questions pour vous. Par New Jersey, nous avons une forte population, tout même si nous avons New York, même les New Jersey, New York, là, ressemblent tout collé. Même quand nous avons un peu de monde, New Jersey, m'a dit pour qui ça, il y a un côté qui n'a pas un peu d'haïtien, ouvre le consulat pour vous, alors que New Jersey, il y a une grosse communauté haïtienne, que ce soit dans la zone Newark, dans la zone Irvington. Oui, mais New Jersey, tout près de New York, tout près de Manhattan. Pourquoi nous prenons un choix ou bien on prend bon soirée? Oui, on ne peut pas multiplier les consulats comme ça. Ah non, c'est préoccupation. Donc, oui, comment poser des questions? Faut me poser des questions pour vous. Donc, c'est plus facile l'accessibilité. Donc... Oui, c'est plus facile. Ok. Alors, quand nous parlons de services internes qui sont ministères, nous parlons de services externes qui sont ambassade avec consulat. Alors, question très simple. Nous connaissons un monde qui a parlé de questions pour vous, mais je pose une question. Sur quel critère choisir mon pour entrer dans le ministère, dans le service interne? Bon, non, non, ou du moins, c'est dans l'époque où tu es là. Tout au moins, si tu pas répondre pour mon qui vient à prouver, bien mon qui est là avant, mais dans l'époque où là. Théoriquement, il y a demandé sur concours. Théoriquement, il y a demandé sur concours. Parce que même l'emblème d'avoir entré dans le ministère, c'est sur concours que je suis entré. Il y avait à peu près 85 candidats. Sur les 85 candidats, il y a été pris 13. C'est 13 qui ont été pris, et puis c'est même qui était lauréat. Et sur tout candidat, ça. Mais ce n'est pas tout le temps qu'il fait concours. Ça dépend de ministre. Même dans l'époque, c'était Serge Lichard, qui sont ancien militaire, qui devient représentant permanent d'Haïti aux Nations Unies. C'est lui-même, là, il devient ministre des Affaires étrangères. Et sous avril, je crois. Sur le 1er avril. Et je te dis que ils font expérience aux Nations Unies. Parce que Serge Lichard devient un diplomate par la suite, un diplomate très très, très sérieux. Mais je dis que pour une diplomatie haïtienne à marcher, il faut que son diplomatie qui devienne très professionnelle. Dans une diplomatie, je l'ai dit pour les gens qui comptent bagarre, la travail là-dedans. Oui, c'est ça, il faut que son diplomatie hautement. Pas son diplomate qui parle, il faut me traduire souvent pour lui. Il dit son. Soit une diplomatie hautement professionnelle. Il dit seulement, seul gens pour une diplomatie hautement professionnelle, parce que regardez qui est dans l'autre pays. Quand la diplomatie a fonctionné réellement. C'est faire recruter les gens sur le concours et puis former autour. Il faut recevoir des formations permanentes. Et puis il faut faire ce qu'on appelle le tour extérieur. Si on a fait 3 ans dans la chancellerie, il faut la faire 2 ans, 3 ans dehors. Ensuite, retourner. Parce que mon abagabouté l'a fait. Avec vitamine et d'âme dehors? Est-ce que vous voulez dire? Bon, oui. Parce que là, mon avait vitamine et d'âme dehors. Il vient ouvrir. Il n'y a pas de pays encore. Deuxièmement, il vient ouvrir. Ok. Vous avez dit ça dit pour nous t'aider encore bien, pour nous suivre bien. Ouais. Les gens ont fait un paquet de dehors, ils viennent pas contre le pays encore, ils viennent rouiller. C'est ça dit. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Pour nous suivre bien. Le ministère des Affaires étrangères, là, dans l'époque où là, est-ce que c'est comme ça et recrutement qu'on fait ou bien pas qu'on fait comme ça? Non, comme moi, je dis que c'est deux bagues qui fait 13 épisodiquement. 13 épisodiquement, c'est-à-dire qu'il fait par hasard comme ça. Je ne dis pas par hasard, mais c'est pas un bagues qui fait. Souvent. Systématiquement et souvent.
Bon, pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas besoin d'évoquer là. Okay. Parce que le monde qui est ministre, il y a une contrainte qui exerce sur lui. L'autre dit contrainte, on parle de qui ça? Okay. Moi, je ne suis pas ministre, donc je ne suis pas ronné. Bon, et toutes sortes de contraintes politiques. Quand je dis de contraintes politiques, ou quand il y a des personnages puissants qui ont besoin de mettre les gens par eux, tout ça. Donc des personnages qui ont fait pression sur l'instant pour mettre les gens par eux. Bon, je ne dis pas pression, mais. Tu vois, donc le plus souvent. Même oppression, se dit. Le plus souvent, ministre Labaka. Pourquoi t'as changé moi? Le plus souvent. Le plus souvent, ministre Labaka a résisté trop. Ministre Labaka a résisté trop, ça veut dire que ça parce que le ministre n'a pas la même force politique que mon intervention ou bien le ministre n'a pas juste pas choisi de résister. Bon, pression contre trop fort. Pression contre trop fort. Pas oublier ça, on diplomate n'a pas parlé de pression contre trop fort, mais le pari, c'est pour pression, non? N'a pas remarqué. Bon. Le dialogue là commence à goût en pile avec l'ambassadeur Azad Belfort, qui est ancien directeur général ministère des Affaires étrangères. Eh bien, même si on prend, nous prenons une petite pause, mais nous allons tourner tout de suite après la pause là. Par un débat très animé avec Azad Belfort. Et probablement, jeune, ça a une grande question pour Azad Belfort. Bon, on commence à aller bien là. Moi, jeune, je suis en pile. Azad fait démarrer et puis Azad connaît le chapé. Eh bien, Azad, nous allons tourner après la pause là. Sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie est liée par provocation de Donald Trump et dans la Le président Maduro joue la provocation. Il sera à nouveau la première puissance. Sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir aider Damas. Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État fait. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé-Caraïbes, la chaîne 22. Bonsoir, c'est l'émission Analyse qui rentre la CAO. Première mission Sotlan, c'est permettre que Fédération Sportive Nationale ait un espace pour venir faire activité. Ah bon, ce sont des expériences inoubliables. C'est pas bien que, ok, il faut vivre yo, ou vivre en commençant par le apporté drapeau pays. Analyse, chaque dimanche soir, 6h30. Reprise les mardis, jeudis et samedis sur Radio-Télévision Caraïbes. La Télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus à Forum. À Forum, avec les invités, tous les sujets sont d'actualité. Nous faisons débat sur tout sujet, politique, social, culturel, économique, religion. Dans Forum, nous recevons politiciens, éducateurs, intellectuels, professionnels, institutions. Forum, espace de débat, de discussion, chaque samedi 4h-6h PM. Reprise, dimanche 10h du soir, mardi 9h30 PM et vendredi 8h30 AM. Forum, nous sommes Radio-Télévision Caraïbes. Mami pou la, grand moun sa nan tout sos. Pas son grand moun an tchoutchout. Parfois la car, yat tout. Men le débarque sur Radio Télévision Caraïbes. Désormais, chaque vendredi 8h15 PM, Mami pou la pour le bonheur et la joie de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Mami pou la, vendredi 8h15 PM. Reprise, dimanche 9h40 PM. Mardi 7h20 PM. Jeudi 9h40 PM. Mami pou la sur la RTVC, le rire sans fin. Oh.
Le rire maintient la santé. Le rire tue le stress. Le rire protège le cœur. La compagnie de théâtre Amis et Radio Télévision Caraïbes vous disent, il est urgent de rire. Riez, riez, riez encore. Car c'est au théâtre qui arrive chez vous pour votre bonne humeur. Tous les derniers dimanches du mois, 5h PM, au théâtre vous offre un nouveau sketch. Reprise tous les vendredis 10h et tous les autres dimanches 9h du soir sur Radio Télévision Caraïbes. Avec beaucoup plus de drames, plus d'intrigues, plus de rires. Au théâtre, faire de votre vie un havre de bonne humeur. Car au théâtre, c'est comme au cinéma. Suivez sur la RTVC, Visage-nous. Visage-nous, l'itinéraire de nos aînés, le pont entre les générations. Visage-nous, chaque jeudi, 7h15pm, reprise vendredi, 11h30 du matin, samedi, 8h30 du soir, lundi, 5h30 et mercredi, 10h. Visage-nous, regardons-nous. Sa frontière retournée après pause là, moi gagne avec moi Azad Belfort qui c'est ancien directeur général ministère affaires étrangères, côté n'a parlé de diplomatie haïtienne là, qui architecture diplomatie haïtienne là et comment tout pour nous faire diplomatie rentable pour nous, laisser maler ou pas faire coup de 100 ou faire coup de 10, les grands nèg a faire coup de 100 et coup de 5, coup de 6 ou fort arriver dans 10. Mais coup de 10 ou à tout faut le rapporter. Comment pour nous joindre retour sur investissement? Moi t'a parlé avec Azad Belfort ou t'a décrit architecture pour nous monsieur Belfort. Eh bien dis nous non Azad Belfort, nous t'a parlé de problèmes qui touchaient recrutement qui fait yo, nous t'a parlé de recrutement à l'intérieur yo, t'a supposé fait sous concours, mais on dit nous en tant qu'ancien directeur général information qu'on possédait, c'est pas comme ça le fait, il fait comme ça de manière épisodique, ces mots sont utilisés épisodique. Ma connaissance, ma connaissance, si pendant pas dire général là. OK. Il pas fait l'autre. L'autre genre, mais c'est épisodique dans l'époque avant et puis dans l'époque considérable, ça on doit le faire. Eh bien OK. Et pour service externe, comment ça fait? Ou bien comment ça doit fait avant et comment ça fait si réalité est différente? Non, genre ça doit fait normalement. C'est j'aime ça durant ce qu'on appelle le tour extérieur. Même genre le fait dans toute chancellerie et dans toute chancellerie et, bon qui veut agir de manière sérieuse. Dans toute chancellerie qui voulait agir de manière sérieuse. Ça, oui, le tour extérieur, à dire au moins là-dedans. Non, alors, répétez mot là, si vous n'avez pas attendu. Dans toute chancellerie qui voulait agir de manière sérieuse. Donc, vous avez des gens qui ont passé un certain temps dans la chancellerie, et mettons 3 ans, et puis qui supposaient aller passer 2 ans, 3 ans, 4 ans en poste, ensuite revenir à la chancellerie pour se ressourcer, même si c'est 1 an, 2 ans passé, ensuite, ou aller affecter non l'autre. Dans notre ambassade ou notre mission, en fonction de profil. Parce que l'homme affecté au monde, il faut affecter lui en fonction de profil. Et dresser profil, yon cadre, que ce soit dans le service interne ou dans le service externe, ça c'est le job, département des ressources humaines. Oh, c'est ressources humaines qui disent qui t'a souhaité de dresser profil. Là, ouais, tel monde t'a tel bon pour tel côté. Exactement. Parce que le monde qui a pensé d'être libre pour les Nations Unies, et puis mon ami bon la plus rendement dans pays latino-américain. Okay. Tu vois, c'est pas parce qu'on remet tel côté. Donc il va qu'on remet pour yo yo. OK. Donc on dit nous mais ça que t'as dû fait. Oui, est-ce que oui. C'est ça que fait? Des fois ça fait, des fois ça pas fait. Des fois ça fait, des fois ça pas fait. Tu et vois? Comment ça fait? Parce qu'il y a quand même le truc ici, il y a un monde qui n'a chancellerie et je crois que au cours de ces dernières années grand pile monde la chancellerie qui allait tout et à l'extérieur, même si grand pile monde que ont écouté sur place. Ok. C'est-à-dire deux monde qui vivent dans le pays et puis. Et mais ça, ce sont des décisions politiques. Je ne parle pas font partie de ce qu'on appelle les contraintes. On ne peut pas empêcher la ESAO, surtout dans des pays comme Haïti. En France, il y a des règles qui sont très strictes. En France, vous parlez là du Quai d'Orsay. Oui. Le ministère des Affaires étrangères français. Les règles sont très strictes. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire n'importe quoi. C'est le département, bah, très strict. Mais dans des pays comme Haïti, des pays en voie de développement, et le plus souvent, il y a des contraintes qui font au ministre, pas qu'à faire, bah, Jean Boulta fait là. Le plus souvent, c'est pas bah, ministre, pas appelé, non. Il y a des contraintes. Okay. Azad Belfort, moi-même, fait un de estimer. Je fais nouvelle, je fais radio dans le pays. Donc, vous entendez?
jeune ça au cave même dans fait nouvelle yo fait radio tout yo tendez qui s'est passé dans diplomatie haïtienne nan, pendant ces 5 6 dernières années nous t'a dit qui fait pratiquement alors là m'a abandonné moi même peut-être que doit pas au courant bien doit au courant moi me connais un député qui a 23 monde dans diplomatie que le mettez je connais un sénateur qui a 32. Alors probablement on pas connaît chiffre exact peut-être mais pour qui ça sénateur avec député ou te vinn toute influence sur diplomatie haïtienne n'a mettez moi bon ça fait partie de ça moi les contraintes. Ah, ça est contre tout le monde? C'est bail politique. Ok. Qui normalement pas de deux comme ça? Normalement pas de deux comme ça? Ou même ouvrir le contraire? Non, monsieur, l'Elvin fait comme ça, ça affaiblit la diplomatie. Jeune Sali même qui finit l'école là, t'as dit que vous avez dit, il y a un diplôme dans la main, il n'y a pas de jeune travail là, et puis l'autre qui n'a pas connu lui, qui a un poste là sous lui, probablement pas connu dans la salle à et puis lui-même, il n'y a pas de jeune autre poste, même pas bon ici pour le fond de stage, donc ou même ouvrir sa contrainte. Pour lui. Oui, des contraintes politiques, mais ce sont des contraintes politiques. Mais pour lui, il n'y a pas de contraintes politiques. Il dit à Bolo, tu as vu un chèque moi. Lui-même qui connaît, il n'y a pas de rien. Pour lui, ça, c'est mon contrainte. Non, pour lui, ça, c'est son abus. Alors, je vais traduire pour vous. Lui-même, son abus, lié pour lui. Sortez les contraintes pour nous brosser les paroles diplomatiquement. Les mêmes sont abulés. Ils disent que je ne vais pas vivre, regardez l'autre, la moi, je vais faire des choses, 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 je vais faire des choses. Donc, les mêmes, c'est pas mon contraintes lié pour lui, son abus. Je fais traduction créole là pour vous. Bon, ce sont des choses à changer et qui finiront par être changées vraiment. Faut finir par changer, mais ça, peut-être que ça ne se fera pas et du jour au lendemain. Ils font un coup de décret là et puis tout va changer rapidement. Parce qu'on est même gens dans toute société, dans toute administration, dans toute organisation. Il y a des. L'on besoin de faire des changements. Il y a des réticences au changement. Ouais. Alors, mon coup, nous sommes forts. Moi, je me fais pas tellement fort même j'ai avant. Donc, moi, je ne parle pas langage, il y a comprendre bien vite. Donc, je ne suis pas grand diplomate avec Azad Belfok bon côté. Quand Azad Belfok bon Jean, il casse les bails. Vous comprenez ça, me dit nous, Timon. Il casse les bails, on Jean. Vous comprenez? Mais sorry, les contraintes là, Azad Belfok, je ne suis pas bon pour un qui a un diplôme, mais il est sorti là. Là, l'étudier haïtiano. Là, l'étudier en Amérique, il prend espagnol, là, il parle anglais. Il a 4 ans de chômage. Sorez les contraintes dans un membre, lui c'est ouais ou pas vle ou elle dans le pays, elle a vigété là le Chili. Sorez les contraintes là, lui c'est abîmé, c'est poussé à pousser de l'eau dans le pays. Mais il y a des efforts qui sont faits au niveau de la chancellerie. On est en académie et diplomatique. Que aurait l'académie diplomatique Jean Price Mars, qui est un plus gros diplomate que Haïti. Donc ce sont des efforts. Bon, nous espérons au fur et à mesure que le problème ça qui est avec ces jeunes. Qui ont étudié la diplomatie, tout ça, et qui ont des difficultés pour recruter. Et espérons que ça va finir pour changer et graduellement au fur et à mesure. Alors, tu as dit que Azad Belfort sont des qui très forts, ils ont un spin. Sous moi, on a créé les spins dans le mouvement américain, ils font bouger, ils comprennent, mais ils ne peuvent pas répondre à une question. Non. Je pose à Azad Belfort une question très directe. Pour qui ça, sénateur et député, ça a eu toute influence sur la diplomatie haïtienne dans ces 5-6 dernières années. Mais nous remarquons qu'ils ne peuvent pas répondre. Ils répondent nous quand même. Non, moi c'est quand même, ce sont des personnages influents. Ce sont des personnages influents. Bien évidemment, mais on rend ça tout autant que moi-même. Ok. Donc c'est ça qui fait qu'on a toute influence ça. Oui, ce sont des bons influences qui. Ce sont des bons influences, c'est ça qui fait qu'on a toute influence ça. Influent répété 3 fois non seule phrase. Oui. Ok. Il y a très influent, vous 3 fois non seule phrase pour influent. Oui. Il y a très influent. Mais pas toujours fait comme ça. Non, mais sénateur avec député, vous avez toujours influence. Et pas j'ai eu influent qu'on y a. Pas j'ai eu influent qu'on y a. Eh bien, c'est soit un monde qui d'accord perdu un parti dans le pouvoir, le gagne, ou l'autre pouvoir. Ou bien un monde qui pas d'accord fait travail, ou bien un monde qui ont tiré pas votre pantalon dans ta île. Non, le problème qui se passe, c'est Jean structure pouvoir venir dans la nouvelle constitution. Constitution 87 là. La constitution 87 là. On est dans la constitution 87 là, au grand premier ministre, tout ça. Donc, le parlementaire vient de plus marge de manœuvre avec le type de configuration. Ça. A dit au Premier ministre qui n'a pas appelé, qui n'a pas abordé dans ce sens-là, il a convoqué le parlement. Il a jeté sous trois beaux salles. Et au ministre. Au ministre, il a jeté aux 5 ministres sous Baba ou ça au baiser. Est-ce qu'il y a traduction à ça? Je vais chercher à comprendre. Bon. Non, mais est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'il y a traduction à ça? Un petit peu. Ah, ok, un petit peu. Pas de problème. Les diplomates là doivent un petit peu, donc tu as raison, mais je ne peux pas dire que tu as raison. Je vais répéter. J'ai été à la bonne école. Donc, l'ambassadeur a confirmé, il a caissé de la tête. Ok, ambassadeur.
gen bagay yo di l'ordre ou pas au courant mais gen tout l'ap difficile pour pas au courant pour onèk ki gen émission dans radio pour onèk ki parle dans radio tout temps pareil ça te fait scandale ici gen petit on sénateur qui t'est nommé dans consulat New York ça ou pas au courant d'où je me souviens de cette affaire ah OK m'pas sou pas au courant de li tout ça t'a dit c'est pas t'envie au courant OK si on ti moun gen 18 ans alors ça te fait plus bruit par cause de jeunesse. Oui. De l'extrême jeunesse de la personne. Bien, extrême jeunesse. Et c'est diplomate là qui dit extrême jeunesse. Si on moun gen 17-18 ans, m'bakou wè, comment t'as gagné en formé là pour l'apprendre, pour le travail dans la diplomatie ou bien dans le consulat, non? Oui. Font ou qu'on n'a plus faut passer, m'expliquez-moi non, comment ça t'a fait? Non, les papas, pas passer parce que c'est normal. Oui, mais, goun moun ki nomel. Bien évidemment. Moun ki nomel là, pas ou elle passe la sécurité normal, mais moun ki nomel là, nomel malgré le ou elle pas faire travail. Bon, ce sont des choses à corriger. Sur des choses à corriger. Donc le mal existe. Oui, ça veut dire que le mal existe. OK. On l'autre exemple, ça c'est public encore. Nous avons reçu un conseiller politique étrangère, président de nos émissions, fait sur l'espace international. Chaque vendredi soir, qui diffuse tout samedi matin, dimanche à 7h et lundi à 7h du soir, qui est l'espace international. Monsieur rapporte moi que, dont madame qui était cuisinière ici, je nomme lui comme ministre conseiller. Mais cuisine n'y a pas de tel problème, il te doit finir la diplomatie et puis la cuisinière, sauf que lui-même va te passer dans l'école pour faire ça. Ministre conseiller? Oui. Ça, donc pour le sortir cuisinière, pour le ministre conseiller, non, bien qu'on tombe au courant, on va y compter carité. Donc c'est le bas, c'est qu'il a fait carité, vous comprenez? Eh bien, bon, même temps, envie de chercher à comprendre. Pour cuisinière, pour le ministre conseiller, si tu as ministre conseiller, c'est le grenade pour l'ambassadeur, parce que tu as dit. Oui, oui. Et puis, en pile talent, hein? Oh. Pour le monde qui va contre lui, en pile talent. Ça, c'est une absurdité. Son absurdité. Allez, ben, vous avez une traduction créole pour absurdité, si vous avez mis l'autre mot. Absurdité. Non, nous, 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 français, on tire un carlou pour vous nous capoter. Absurdité, ça veut dire qui ça. Comme on a dit, son absurdité. Son non-sens. Son non-sens. OK. Donc, si, si ça veut dire que c'est vrai. Eh bien, bon, c'est public maldésil. Voyez-vous là. Comme je dis, voilà, émission diffusée, émission enregistrée sous page 22 estimée. Et le monsieur, c'est pas moi qui nommé, il est conseiller en politique étrangère du président Jovenel Moïse. Et pas moi qui s'est arrêté à nommer. Donc, les preuves sont là. Moi, je répète après lui ce qu'il y a. Non, si c'est vrai, c'est un scandale. Si c'est vrai, c'est un scandale. OK. Donc, absurdité. On me dit ce qu'on dit. Scandale. Pas n'importe qui. Nous jouons mot utilisé. Non-sens. OK. Donc, les gens qui nomment là tout, nous ne pouvons pas dire qu'ils font non-sens. Donc, s'ils font non-sens, ils ne sont pas non plus. Nous ne dire ça. Non, nous ne pouvons pas dire ça. Mais son nec qui choisit faux non sens. Ce sont des choses à corriger. Ce sont des choses à corriger. Oui. Parole diplomate là, mon cher Claire Pilou. Oui. Diplomate là, chasse pour moi, tout le monde qui l'a caillé ou pas diplomate. Non, non, l'on va être fait. Et puis il va être supposé fait. C'est corrigé ou corrigé. C'est corrigé ou corrigé. Okay. Pour ne pas être fait encore. Pour ne pas être fait encore. Eh bien, ok, entre temps, comme on dit, c'est pour que je pour ne pas être fait encore. Entre temps, il y a quelques qu'on a rappelé. Le ministre a posé la question. Alors, le ministre qui est en poste a posé la question. Mais madame qui sont étudiées, qui diplôme ou bien, madame n'a dit me fait cosmétologie. Excusez-moi. Un monde qui fait cosmétologie, c'est monde qui là pour faire zong. Tu es sûr de ce que tu dis? Monde qui fait cheveux. Tu es sûr de ce que tu dis? T'as, je suis tellement sûr de m'a répondre. Monde qui fait cosmétologie pour zong. Cheveux. Pieds. Bam zoom pied. C'est pour ça monde là. Et puis nous prenons, nous mettons la diplomatie. Moi, je suis sûr de ce que tu dis. Ah, ambassadeur, ambassadeur, où qu'on est, je suis très sûr de ça va avancer, je vais avancer comme ça. Ambassadeur, cosmétologie, li fait pour, bon, bon, mes amis, manicure, pédicure, facial, cheveux, et puis nous mettons la mission diplomatique. Gon moun qui m'a dit pour nommer, gon ministre qui est en place qui signe, on va pour nommer. Ça, dans des choses qui arrivent, il y a toujours des choses à corriger, si, ou bien si, ça a une méchanceté. Non, non, si ils ont baillé comme ça fait, normalement ça n'aurait pas dû être fait. Même quoi que le ministre a l'aile de fait, monté jusqu'à maintenant, parce que c'est attitude, il avait fait des déclarations publiques pour montrer que lui, contre l'histoire ça, et que pour empêcher que l'histoire ça, il aurait fait encore. Alors, vous dites là, vous voulez nous comprendre la situation. Oui? C'est bon problème, nous, gars, qui fait cosmétologie pour le pas travail, non, le cas travail. Mais on me dit la cosmétologie, c'est facial, tant que madame Nandia, ou on me dit manicure, pédicure, moi comme bat contre tout qui, on me mette tout qui honnête pour lui. Mais mes amis, ça le perdit dans la mission diplomatique, l'éternel, à diplôme cosmétologie là. Je ne dis pas que les gens méchants ici, pas de gens méchants ici, pas aucun monde malhonnête.
et pas gen moun ka pose di aucune autorité gen figi di et même je cherche pas gen moun a fait bail comme ça nous pas jamais fait ça dans l'émission sa frontière mais si gen moun ta di un moun qui fait bail comme ça tout on parole comme ça nous pas dire bien tomber non mais n'a mettez nous attendez tout de même soit nous moun moun faut vérifier compétence li bien évidemment ça c'est pris béaba on va avouer le fond job li pas ka faire Vous bon, job li pas ka faire et job ça me sûrement tout me colle pas révèle. M'a colle te dormir révèle job ça tout non plus. tout de même, ambassadeur Harry, ambassadeur me gèle bon trop question. Bon mandé que si vous dites quelque question pour, et ben on aller dans jeune homme de a pour nous prendre quelque question. On aller donc. Allez-y. Bonsoir monsieur Estimé. Bonsoir. Bonsoir ex-directeur. Bonsoir. Donc moi c'est Naki Lapin, étudiant en sciences juridiques. Donc, dans la diplomatie haïtienne, pourquoi les hommes politiques haïtiens ont autant d'influence sur la diplomatie haïtienne? Par exemple, ils ont député ou bien un sénateur avec toute indépendance li, choisi nommer mon niveau non consul. Non consulat. Oui, non consulat exactement. Donc, qui sont pensés de ça exactement comme ex-directeur dans le ministère des Affaires étrangères? J'aime dire que ce n'est pas des choses qui auraient dû... qui aurait dû être fait parce que diplomatien et personnel là qui travaille dans diplomatien qui dans ministère des affaires étrangères sont outils ça n'a rien outils diplomatiques et outils diplomatiques là supposé extrêmement performant c'est comme si on va jouer une équipe de football on va jouer une équipe de au Haïti bon on prend Real Madrid qui va jouer Real Madrid là fait pas moins on commence à bien parler là on prend Real Madrid qui va jouer contre Barcelone et pour prendre Ronaldo Benzema Bale bon nous on fait équipe là pour me faire équipe là Marcelo Dani Carvalho et pour mettre au sous banc et pour chercher l'autre monde qui même qui joue Pierre Maré et ben on perdit mon cœur qui Pierre Maré si d'en faire nous ça deux fois le faire nous éliminer dans coupe là donc son image comme ça que me veut employer a dit love les gains sur scène internationale là et qui vous supposez performant. A dit ça n'après les outils diplomatiques là. Vous supposez un outil diplomatique qui très performant, a dit de monde qui non seulement bien formé mais qui ont très bonne partie qui compte qui ça va faire. Alors ambassadeur Azad Belfort, m'a fait suite avec question et les amis ou dit c'est comment non Monsieur Naki Lapin et bien ambassadeur Belfort. Donc pose une question de point de vue personnel, m'a qu'on soit carré pour nous soit choisir pour nous. Est-ce que ça t'est fait dans l'époque où tu es directeur général là précisément? Et pas à ma connaissance, m'a quoi. Donc pas à sa connaissance, ça il doit faire mais lui-même il pas au courant. OK. N'a continuer ou gen micro dans mon. Et type de bail ça surtout fait dans des brio, m'a connait c'est vrai. C'est surtout après mon départ. Oh, c'est surtout après départ. OK. Dans des m'a connait c'est vrai. OK, ambassadeur attendez, il pas connait c'est vrai. Ambassadeur nous-même tout nous tendez autour nous pas connait c'est vrai. OK. Même j'avons nous ambassadeur, nous tendez. Le problème qui se passe l'autre dans bail faut. C'est comme si un journaliste qui a une nouvelle. Mm. S'il te dit, ah, yo, gon. Mais il y a ce qu'on appelle des faisceaux d'indices, des sources concordantes. Il dit, il y a un tiré qui fait tel côté. Est-ce qu'il va courir pour monter des vérifier goals? Vérifier pour louer ça. Eh bien, OK, ambassadeur, attendez le temps. Il y en a les jeunes hommes. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur estimé. Non, pas monsieur Julie, moi, je suis étudiant en diplomatie. Julie, comment? Julie Michel. Julie Michel. Donc, je voulais plus adresser ma vie spécialement, monsieur l'ambassadeur. Et vous parlez avec nous tout à l'heure des expériences que vous avez fait entrer dans le ministère des Affaires étrangères. Donc, c'était un bel bagage à l'époque pour avoir des jeunes à l'époque qui ont une grande compétence. Allez, dire prendre crème, étudier en diplomatie, puis faire stage, puis nommer. C'est un bel bagage. Mais je voulais vous dire, qui est-ce pour étudier en diplomatie? Gagner, s'il n'y a pas de marine à Paris, par exemple, un député, sénateur, ministre, quelqu'un qui peut. Et d'elle, elle fait comme si elle baille d'elle sous diplomatie haïtienne dans le ministère. Là. Donc, pas de moyens pour faire stage avec eux. Mais qu'est-ce que j'ai diplomatie ça et j'ai étudiant diplomatie ça gagne? Bon, ça, c'est des mesures et que le ministre est supposé prendre un cadre politique et bien déterminé. Et bah, c'est que le type de mission ça que. Doit faire sous diplomatie en général, relations internationales en général, et puis qui axé sous diplomatie haïtienne pendant moi, ça, c'est bien ça? Oui. Et il a pour aller un peu le sensibiliser et décideur, puisque caméra, vous n'êtes pas sous monsieur seulement que
li branche li même li branche sur nos dos et plein monde qui regarder nous plein décideur qui attendez nous yo en pile yo regarder nous en pile nous mettre pas la veille monsieur, monsieur, monsieur président gain pour venir sur plateau sans frontière donc nous mettre pas la veille je suppose que décideur qui attendez nous il y a prend qui décision pour prendre nous trouver le pas bon par exemple ou calmement dans sénateur ou bien député service comme si vous t'a remé nommé dans ministre affaires étrangères ou bien à l'ambassade d'Haïti dans l'autre pays mais et si mon n'a pas monde qui fait une clé pour l'allemando faut elle fait ça tandis que compétent même on connaît ou qui fait travail là bien c'est l'autre monde qui cap travaille sur merci Julie Michel alors vous on le compétent vous êtes tout mettre micro à l'arrière non parce que j'aime ça dire là tout à l'heure que il y a des bagages qui méritent corriger son émission que tout monde attend il y a des décisions des décideurs qui écoute cette émission aussi, comme tu as des jeunes qui ont parlé, tout particulièrement jeunes qui étudient relations internationales et diplomatie. Mais je pense que. Il va arrêter de constater que tu dis tout. Oui, dans la mesure qui est un peu prenant, je suppose qu'il prend paramètres sérieux en considération et pour résoudre le problème. Ça. Nous allons aller à l'arrière. Vous êtes monsieur? Non, pas monsieur Geoffroy Walter. Bonsoir, monsieur Estimé. Bonsoir, Walter. Belfort. Question pas maintenant. Nous te parlons des anéter institutions, nous te parlons des supports personnels. Support personnel. Mm-hmm. Dans le support personnel, ça, est-ce que vous comptez faire concours pour vous ou bien tout, vous même vous passez directement et seulement faire appel à vous-même ou bien tout, vous faites concours pour vous. Ok, vous comprenez cette question. Alors, nous parlons de personnel de support. Ambassadeur, vous parlez de personnel de support recruté à l'étranger. Mm-hmm. Très souvent, vous ne savez pas même haïtien. C'est vous qui recrutez pour aller faire ménager ou faire concours pour aller faire pour si vous n'avez pas fait manger ou si vous n'avez pas fait manger. Chauffeur. Vous comprenez ça, vous ne savez pas vraiment. Vous ne savez pas vraiment. Messager. Pour vous, vous avez le bouton de l'état. Vous avez le bouton de l'état. Laissez d'être la privée. Vous avez le bouton de concours pour messager. Vous comprenez, vous avez fait trop de concours. Vous avez tourné coucou tout. Normalement, les amis qui ont parlé de tous les députés, les sénateurs qui ont une influence sur pour entrer n'importe côté, vous voulez, par exemple, ambassadeur. Et je connais, est-ce que c'est eux-mêmes directement qui ont une influence à part de l'autre ministre qui parle qui l'a dans l'institution? Est-ce que c'est eux-mêmes qui l'a? Est-ce que c'est le ministre qui a une influence à tout bon côté par eux? Et on va parler de qui influence? Influence comme si les députés qui ont un monde par eux pour mettre dans nommé dans la boîte. Alors, vous ne nommez pas directement. Je ne sais pas si l'ambassadeur a nommé directement. Vous demandez pour nommer. Et bien, vous signez la nomination. Ok. Merci, Walter Geoffroy. On a continué. Par les députés, vous n'avez pas signé. Vous demandez pour nommer. Et l'ambassadeur a dit c'est comment vous utilisez mon contrainte. Oui. Contrainte, ok. Merci, monsieur Estimé. Merci, monsieur ambassadeur. Vous êtes? Émilien Jean Gardi. Émilien Jean Gardi. Normalement, ma question, en tant qu'apprenti en diplomatie et les relations internationales, et pourquoi la diplomatie haïtienne a toujours été considérée comme une diplomatie faible? Comment? Vous savez déjà, en relations internationales, un pays faible, c'est une diplomatie faible. Concernant Haïti, comment on pourrait remonter la diplomatie haïtienne pour avoir une diplomatie encore, je pourrais dire, forte? C'est ma question. Non, Haïti. Merci. Contrairement à ça, moi, c'est Haïti pas toujours bon diplomatie et qui fait. Il y a eu des moments de l'histoire où Haïti des bon diplomatie qui est assez influente. Alors, en diplomatie, on ne peut pas dire bon diplomatie forte ou faible. On peut parler de bon diplomatie quand il y a de l'influence. Et à un certain moment, et diplomatie haïtienne, dans certains moments de l'histoire, diplomatie haïtienne intégrant. Et cette influence, à l'occasion de la fondation de l'Organisation des Nations Unies, délégation qui a noté gagné l'autre bord à Dumbarton Oaks, c'est une délégation. Délégation très... qui a gagné Gérard Lescaut, lui de Moravia, de Barcelone, Roussa Camille, donc Gérard Lescaut lui-même qui est petit président. C'est ça. Donc c'est une délégation extrêmement influente. Chauvet ou Pierre Chauvet? Oui, on ne sait pas qu'on disait Pierre. Mais une chauvetture. C'était une diplomatie très influente. Elle était tellement influente qu'on prend la langue française là, que Américain avec Britannique, parlent pour la langue française, mais une langue officielle de travail dans les Nations Unies. Semaine ça, semaine francophonie, on aurait dit ça encore. Pas oublier, semaine ça, me fait mettre deux cérémonies dans le gala qui ont été organisées dans quatre journées internationales de la francophonie. Donc Haïti bataille pour faire langue française là, en langue officielle et langue de travail dans les Nations Unies. Dans les Nations Unies. Et c'est des délégations. Ça, il faut dire ça, il faut pour les jeunes qui là, qu'ils comprennent que pays, c'est pour un pays sans garde lié, c'est pour un pays pas de signatis. Donc, à l'époque, nous avons des bagailles pour les jeunes qui là, qu'ils comprennent.
que l'aile dans des républiques d'Haïti a pour l'écrit tout petit en bas non pour le mettre respect beaucoup non c'est pas parce que pays a en dérive kounia pour qu'on essaie tout qu'on salte toujours yé Haïti pas toujours descendre saut de boudon pour la prendre la lit sous compas pour la descendre rivé chaud de masse Haïti gon époque il était valable et au saut dit tout ou peut-être on va préciser Haïti tout participer dans cadre indépendance au paquet pays en Israël on est tant coué 1500 l'os on est respectant pile qui gagne poté non la Libye et 1500 l'os gagne qui poté poté non et pas oublier tout dans déclaration universelle des droits de l'homme qui va le faire d'accord 48 c'est le joue un rôle déterminant la donne n'a pas les diplomates nous te prend exemple avec nous général Nemours à la tribune de la Société des Nations qui a pris la défense de l'Éthiopie en accusant les puissances européennes, craignaient un jour d'être l'Éthiopie de quelqu'un. Donc, les noms et Haïti, pour ne pas connaître son bail, comme ça lié. Haïti t'est compté. C'est Haïti, c'est politique étrangère Jean-Jacques Dessalines t'a fait. L'aile t'a aidé Miranda. C'est dans politique étrangère, gros tonton politique étrangère, que Pétion t'aillé. L'aile t'a aidé Bolivar, Libal Zam, Libal l'agent. Li bal bateau, li di mouche men al retourne goumen pour libérer les peuples de la Grande Colombie. Donc, pas comprendre que pays a, c'est ton pays comme ça. Et à la Grèce aussi. Ah oui, la Grèce, certainement. Indépendance et tout ça. Bonsoir, professeur estimé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir à la RTVC. Je suis Beauvoir Geoffrane, étudiante vénissante en relations internationales. Ma question, pourquoi parle-t-on de diplomatie quand on sait qu'elle est l'art de négocier? Est-elle inhérente de l'espèce humaine? Comment parler de diplomatie haïtienne si réellement il existe une? Ah, bien sûr qu'il y a une diplomatie haïtienne. Il y a un ministère des Affaires étrangères qui est en train d'appliquer, et qu'on le veuille ou non, qui est en train d'appliquer une certaine forme, une politique étrangère bien déterminée. Maintenant, vous hésitez de vous poser des questions, ça dépend si vous faites des recherches sur cette diplomatie, pour savoir si cette diplomatie est efficiente ou non. Est-ce qu'elle est efficiente? Quand vous posez des questions, vous pouvez vous poser. Il faut le faire travailler sur lui. Mais le travail, on l'a fait là, oui. Non, mais ce monde-là, quand vous comprenez. Non, on a fait une émission sur lui. Eh bien, on a dit, non. Qui est-ce qui est efficient? Non, pour qu'on est efficient, il faut qu'on travaille pour le faire. Il faut travailler plus en profondeur. Ah oui. Donc, l'ambassadeur a mandé temps. L'ambassadeur a tourné sur le plateau sans frontière. Encore, le travail a fini. L'ambassadeur a mandé temps pour lui répondre, temps pour lui réfléchir. On est qui l'aurait à promotion, on est quitté l'école petit séminaire, collège Saint-Martial. Combien l'aurait à nous vous dire, non? Vous faites toute vie en premier. Pas de problème, ambassadeur. Non, je ne vais pas faire toute vie en premier. Mais on ne va pas arrêter de porter des jugements à n'importe pièce comme ça dans l'émission. Il faut avoir des arguments solides. Si je dis que la diplomatie est inefficiente, il faut me dire pour qu'il soit inefficiente. Il faut venir avec des arguments solides. Et si me dit donc, dis-moi, c'est ce que l'app dit marché. Ah bien, donc, je ne vais pas marcher, je vais pas marcher. Allez, excusez-moi, ambassadeur. Moi, je ne pas comprendre que là. Excusez-moi, dis-moi, si la guerre est trop fort pour moi. Ambassadeur, on va aller en pause là, on va aller en pause là. Est-ce que diplomatie haïtienne n'a bien marché? Non, on a pour lui marcher. Mais on a quitté le marché, je l'ai marché là. Si l'app bien marché, on a quitté le. Bien évidemment que non, il y a des. Oh, bien évidemment que non. Ça veut dire l'app mal marché, ambassadeur. Soit premier ministre actuel là. Vous auriez toutes les déclarations qu'il devait. Elle dit fait monter. Si c'est pas. Mais moi j'aime l'ont fait spin namzo. C'est pas des déclarations cachées. Ambassadeur, est-ce que diplomatie a bien marché ou non? Mais les Antonio dit que c'est pas des déclarations cachées que le fait. C'est des déclarations ou bien trop big que le fait. OK, à la ville et au monde comme le pape. Il dit même problème que diplomatie rien, mais ceci met tout bail et que si nous voulons pour diplomatie arriver pour atteindre certains objectifs, grand des décisions qui vous prend. OK. Mais la question, c'était, est-ce que diplomatie a bien marché ou pas, ambassadeur? Ah, si monsieur, ouais, monsieur dit ça, c'est que diplomatie n'a pas bien marché. Donc, c'est le ministre qui dit ça, ou le ministre réseau, ou pas le ministre réseau, ou pas le réseau? Non, mais je ne vais pas vous dire que diplomatie n'a pas bien marché. Vous avez dit tout ça? Parce que je ne pas vraiment grand. Vous n'avez pas rien donné dans mon. Je ne suis pas étude pour me à l'emporte de pièces dans l'émission, comme ça, qui sont émissions de haut niveau, pour me dire que diplomatie n'a pas bien marché. Vous connaissez le grand problème? Votre différence est un grand problème avec pas bien marché. Ok, donc vous même presque mettez le niveau Wanito, vous avez besoin de 5-6 ans. Je ne parle pas, c'est un milieu qui est là. Non, il y a deux gros problèmes. Okay. Bon, il y a un problème qui vient dans la diplomatie, bon, moi, le baoul. Et peut-être que ça me bat tellement sévère. On va faire diplomatie. Et même gens, les Real Madrid, pour jouer. Et vous dites Real Madrid, vous touchez qui aime, on a allé.
a déposé des fanatiques Barcelone. Non, mon cher, allons le voyant. Si le Real Madrid pas jouer, Barcelone pas jouer. Est-ce qu'il y a mettre n'importe qui soulier dans le pied joueur? Okay. N'importe qui sous le football. Okay. Et puis les shooter, et puis okay. Soulier à tout sortir okay. Avec le ballon. Mais c'est la même chose pour diplomatie. L'on a besoin d'une diplomatie d'excellence. Diplomatie supposée, il y a les moyens nécessaires pour mener cette diplomatie d'excellence. Merci, bien entendu. Tout ça n'a pas l'air, c'est vrai. Mais sous pas grand les moyens de l'intendance, okay. Sous pas grand budget qui est suffisant. Ok. Qui mais, aller. Mais n'a pas coûté, n'a pas tourné après. Comme on va parler bel français. Bel français, ok. Donc l'ambassadeur a utilisé un pile parabole. Mon cher, m'invite ambassadeur à pas de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ vit la parabole lit. Ambassadeur a une belle parabole lit, tout bien content. Mon qui l'a caillou a vivé par eux-mêmes. Sans frontières, arrivé dans mon rôle pour une deuxième pause et n'a pas tourné tout de suite après pause là. Sans frontières. Rendre les affaires internationales simples et accessibles. La Syrie une guerre par provocation. Donald Trump est dans la tour. Le président Maduro joue la provocation. Qui sera à nouveau la première puissance. Sans frontières. La diplomatie peut être un outil de développement. Les États-Unis vont devoir aider Damas. Vladimir Poutine est un homme fort à la tête de l'État faible. Sans frontières, pour une analyse approfondie des grands dossiers internationaux, tous les jeudis à partir de 9h45 du soir. Reprise les vendredis 5h PM sur Télé-Caraïbes, la chaîne 22. Monsieur, bonsoir. C'est l'émission analyse qui rentre la CAO. Première mission Satlan, c'est permettre que Fédération Sportive Nationale yo gon espace pour venir faire activité. Ah bon, ce sont des expériences inoubliables, c'est pas bail que OK, faut vivre yo ou vivre li en commençant par le monter drapeau pays. Analyse chaque dimanche soir, 6h30, reprise les mardis, jeudis et samedis sur Radio Télévision Caraïbes. La Télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis, 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis, 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Madame, monsieur, soyez les bienvenus en forum. À forum avec les invités, tous les sujets sont d'actualité. Nous faisons débat sur tout sujet, politique, social, culturel, économique, religion. Dans forum, nous recevons politiciens, éducateurs, intellectuels, professionnels, institutions. Forum, espace de débat, de discussion, chaque samedi 4h-6h PM. Reprise, dimanche 10h du soir, mardi 9h30 PM et vendredi 8h30 AM. Forum, nous sommes Radio-Télévision Caraïbes. Mami Pouela, grand monde ça a dans toute sauce. Pas son grand monde en tchoutchout. Parfois la carrière tout. Mais le débat qui est sur Radio Télévision Caraïbe. Désormais, chaque vendredi 8h15 PM, Mami Pouela pour le bonheur et la joie de nos téléspectatrices et téléspectateurs. Mami Pouela, vendredi 8h15 PM. Reprise, dimanche 9h40 PM. Mardi 7h20 PM. Jeudi 9h40 PM. Mami Pouela sur la RTVC, le rire sans fin. Le rire.
rire maintient la santé. Le rire tue le stress. Le rire protège le cœur. La compagnie de théâtre Amis et Radio Télévision Caraïbes vous disent, il est urgent de rire. Riez, riez, riez encore. Car c'est au théâtre qui arrive chez vous pour votre bonne humeur. Tous les derniers dimanches du mois, 5h PM, au théâtre vous offre un nouveau sketch. Reprise tous les vendredis 10h et tous les autres dimanches 9h du soir sur Radio Télévision Caraïbes. Avec beaucoup plus de drames, plus d'intrigues, plus de rires. Au théâtre, va faire de votre vie un havre de bonne humeur. Car au théâtre, c'est comme au cinéma. Suivez sur la RTVC, Visage-nous. L'itinéraire de nos aînés, le pont entre les générations. Visage-nous, chaque jeudi, 7h15 PM. Reprise vendredi, 11h30 du matin. Samedi, 8h30 du soir. Lundi, 5h30. Et mercredi, 10h. Visage-nous, regardons-nous. Sa frontière retourne après pause là, nous continuons à parler avec l'ambassadeur Belfort, mais l'ambassadeur Belfort fait nous rire, puis lui, parce qu'il a une façon de répondre à une question, vous comprenez? L'ambassadeur a un genre, il présente à vous, chère diplomatie, il est son bel bagage, oui. Hein, ambassadeur? Non. Et son bel bagage? Il y a un langage diplomatique, un langage codé, un langage feutré. Bon, pour le langage codé, il y a un, effectivement. Mais nous devons utiliser le code longtemps dans la diplomatie non, pour nous gérer l'information, oui, pour nous ne connaître pas ce qu'on a fait. Ce qu'on par exemple, Saint-Domingue qui a intercepté toute ça, l'ambassade dominicaine n'a pas dit, l'ambassade dominicaine Saint-Domingue n'a pas dit. Ce qu'on appelle le chiffre. Le chiffre. Mais il y a plusieurs, on va dire plusieurs, au moins 2 décades depuis qu'on a servi à chiffre. L'on dit 2 décades, ça a dit 20 ans. Oui, je suppose. Par exemple, parce que longtemps, il y a des servi avec chiffre. Mais on est avec modernité. Je suis besoin de chiffrer, pas avec la méthode longtemps. Non, vous avez des logiciels spéciaux pour chiffrer, pour chiffrer mon message. Allez, bah, écoutez, là, combien de budget ministère a-t-il? Combien de budget ministère a-t-il? Chiffre dans la tête. À un certain moment, l'MDL a été approché les 30 millions de dollars. 30 millions de dollars. Mais qu'on y a fait 40 millions. OK. Alors, ambassadeur, Pabli, il m'a dit qu'il a parlé de l'architecture, mais il m'a voulu parler tout. Qui ça pour nous faire pour diplomatie à votre l'argent? Même les nous pas payer mon yo tellement bien passé ça, même les nous pas payer au aller tant qu'on vient un message sur WhatsApp ou bien mon qui passe dans l'émission me dit souvent. Non, j'aime dire là qu'on problème de moyens. Eh bien, OK, qui ça pour nous faire pour diplomatie à productive pour le défendre intérêt pays à bien et puis tout pour aller chercher investissement. Pas moi ba yo le business là, mine en pile, moi même pour mon yo dans poche. Pour bien manger même avec nous. Ambassadeur parle avec nous. Qui ça pour nous faire pour nous bien comme? Bon, tout d'abord, j'aime t'en dire tout à l'heure, c'est l'outil diplomatique là, qui pour venir plus performant et puis pour orienter dans le sens voulu. Et là, c'est peut-être, ce sont les buts de politique étrangère. Est-ce que le but de politique étrangère actuel, non? Est-ce que c'est pour... soit parler là, question de... Non, moi, je connais un gars, puis où c'est gros autobus? Il dit, je ne pas l'appeler chef qui est moi. Dis-moi non, et qui est allié, ou tout partager avec nous? Question de diplomatie économique. Lors, quand l'ex-premier ministre, Laura Lamotella, il a surtout parlé de ce qu'on a parlé de Haïti Open... For business. Haïti Open, for, open business. For business. Et monsieur Dekoué en pile dans la diplomatie des affaires, il était qu'on dit. La diplomatie des affaires, bien que même pas finir, mais. Ah, ou même j'avais. Pas même de nom, pas moi, l'on dit affaires, ça n'allait non. Non, pas la diplomatie économique et commerciale. Non, pas affaires. Il y a ce qu'on appelle, ce qu'on a traduit diplomatie des affaires, non, qu'on a traduit pas business diplomatie. Business diplomatie, ça, ce sont les multinationales qui les mènent. On prend par exemple Rex Tillerson, l'ex-ministre des Affaires étrangères. Monsieur est à la tête, on. Exxon Mobil. Exxon Mobil. Mais les monsieur, tu es à la tête d'Exxon Mobil. Monsieur il vient à tout le monde, il vient à la Russie, il vient à Poutine, il vient à tout le monde. Monsieur, tu as fait ça avec les business diplomatie. Parce que dans le niveau de multinational, c'est une certaine forme de diplomatie qui est les business diplomatie ou les diplomatie d'affaires qui permettent à l'ouvrir certaines portes. Parce que les règles sont après, monsieur, des amis. C'est le problème, ça gagne, ou des amis aussi en pile. Oui. Parce qu'il y avait le marché russe à conquérir, tout ça. Sauf les amis Poutine. Aux amis, un gros chabou avec le gouvernement russe. Bah, les contrats vont se faire beaucoup plus rapidement.
Tu vois, c'est ce genre de contacts qu'on a développé. C'est ça, la diplomatie d'affaires, ou bien business, diplomatie. Maintenant, au niveau d'un État, à savoir, pas finalement remettre et diplomatie d'affaires, ou bien business, diplomatie, parce que c'est ce qui s'est dit, qui s'allie, on a pu s'employer le terme de diplomatie économique, qui est à peu près la même chose, mais qui est autre chose. Parce que l'ordre de diplomatie qui économique. Qui est à peu près la même chose, mais qui est autre chose. Non. Traduction pour nous? Non, traduction. Nous prenons par exemple, au bon pays, tant que l'affaire la plus développée, les plus bons pays. Hein. Au bon Haïti, c'est Haïti qui a exporté. Pour tant. Tant que Haïti a exporté plus, c'est tant que les plus bons pour Haïti. Là où il y a des hommes d'affaires qui cherchent des niches d'exportation, ce n'est pas même besoin de passer par l'État haïtien. C'est propre réseau par eux, propre réseau relationnel par eux. Que développer pour mener action ça. Mais il y a ce qu'on appelle la diplomatie. On parle de diplomatie économique. Là, c'est une diplomatie d'État. Ce sont des outils que vous développez. C'est-à-dire, vous venez développer un outil diplomatique. Il faut avoir des mondes parmi les personnels diplomatiques là, qui non seulement connaît l'économie bien, mais qui est très performant dans ces deux domaines, dans la science économique. Là, c'est ce qu'on n'est pas question. Investissement. Non, non, c'est. Acheter investissement, mais il faut quelqu'un qui est bon dans sa relais, intelligence économique. Oui, la veille stratégique. La veille stratégique. Moi, j'ai cité job moi, oui, avant. Je suis un ancien du ministère du Commerce. Et ah bon? Oui. Ministère du Commerce, c'est une veille stratégique? Non, le ministère va être fait très officiellement, mais dans la direction de l'IT, direction Jeune France, qui est à la tête les Jean-Alex Xdiver et Luc SPK à l'époque. Ça, c'est l'époque qui a fait développer Jeune France ici en Haïti. Donc, il y a besoin des investissements qui sont faits dans la zone franche. Donc, job où c'est marché dans la conférence internationale latino-américaine, bref, pour parler avec investisseurs, pour dire, mouche, mais qui ça a été qu'à offrir? Comme je confère pas plein. À l'époque, tout, loi zone franche fait, t'es venu un décret pour CFI qui fait, et pour dire, mais qui opportunité d'affaires qui vient en Haïti, ou exposer ça dans les destinations Haïti, ou vendre mon yo sacré les destinations Haïti. Nous trouvons travail sans petit jambon qui fait qu'on y a. Faut commencer à vendre le pays comme destination, nous disons, vient faire l'argent. Non, non, pour faire. Il faut faire la, et faut faire baser sur l'intelligence économique. On ne peut pas faire diplomatie économique, on ne peut pas faire. Est-ce que l'affaire étrangère n'est pas écouté là, tu as un bureau qui occupe le veille stratégique pour dire mais ça va passer? Non, non, non. Quand j'ai l'aime directeur général, et j'avais des velléités, je me suis commencé à payer. Alors, question est où même viser ces CCL, même je connais s'il existe. Non, je il y avait même deux ambassadeurs, et bah, j'ai cité dans eux. Et moi, c'était nous, si vous faites bon bagage, c'est vous dire, c'est vous citer nous. Je me suis commencé à prendre contact avec eux, je me suis commencé à parler avec eux, pour être au niveau de ces ambassades, si vous avez ouvert des antennes de veille stratégique et d'intelligence économique. Et puis ensuite, vous prenez un bureau par moi personnellement, de ouvrir une cellule d'intelligence économique sur la République dominicaine. Vous avez arrêté mon cher, métier pas, vous avez arrêté, mais là, vous comprenez, vous avez arrêté quotidien. Non, moi, ce qui a fait là, c'est de la mode. Et Pierre Lamotte, okay. Qui actuellement me connaît, qui a dirigé le bureau des affaires. Dominicaine Dan. C'est lui-même okay. C'est lui qui m'a okay. Fait. Au cours de l'aide Daniel Supplice, l'aide d'avoir le nom et ambassadeur, le monsieur vient dans le bureau, on m'a montré le bail, le monsieur saisi. Je dis, moi, ben, ça qu'a fait là, c'est ambassadeur pour défendre. Moi, je dis, non, je ne vais pas temps pour m'attendre l'ambassade là, vous avouez le rapport. Avouez le rapport bas. Avec Lamotte, vous montrez le monsieur qui est pour défendre. Alors, dis Lamotte, faut dire Pierre Lamotte. Oui, Pierre Lamotte. Par contre, pétac tiré en Dominicaine, il ne vais non, mais c'est comme ça pays fait tout. Et je connais séance tenant. Mais il faut dire ça tout, c'est comme ça pays fait. C'est pas ambassade là que vous avez information. Oui, mais il faut dire ça tout, c'est comme ça l'État fait, c'est comme ça l'État fonctionne. L'État, sous baguette intelligence, ou presque baguette, on fait sous baguette information. Pas les jobs diplomates là tout, c'est chercher information. Sous baguette information, on va prendre décision. Ou bien on va prendre des mauvaises décisions parce que l'information soit négative ou pas bon, ou bien soit information pas adéquate. Donc décision, le pape jamais adéquate, le pape jamais applicable tout. Eh bien, ça qui passe. Moi-même, je vais tourner sous question encore. Comment pour me faire, moi-même, Jodiala, Azad Belfort qui est avec nous, président Jovenel Moïse qui va regarder l'émission, ça, premier ministre Jacques Guilafontaine qui va regarder l'émission, ministre Antonio Rodrigue qui est fanatique de l'émission, les regarder, mon cher, on invite un conseil là. On va au conseil là, on va une consultation gratuite. On allez. Qui ça pour me faire, pour l'ambassade nous gagner, pour y'a un vecteur, pour y'a chercher opportunité, pour mener des missions commerciales, mener des missions d'affaires. Ici en Haïti pour encourager moun vinn investir qui ça pou fè. Si n'ap di critère qui ça pou fè. Non, yo te kan fèl. Et ben justement le pas fait encore, donc qui ça pou fè? Je kan fèl mais il était fait de manière inefficace.
Bah là, devine, on a fait deux mois après avec mission. Quels sont les résultats de ces missions? Aucun. Parce que je ne vois pas les résultats de mission. Si on est ça, on prend volume d'investissement et IDE. Investissement direct étranger. Investissement direct étranger. Mettons que les 100 millions en ESA. Et puis l'année prochaine, vous gardez pas grand 10% d'augmentation pour le passer de 200 à 110 millions. Ce qui signifie qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Bon. Quels sont les résultats de toutes ces années? Alors évidemment, toute époque nous avons eu un gros mouté dans l'investissement direct étranger qui fait avec nous, c'est l'époque les dit c'est l'avenir. Les NAT comme a fait investissement par là, époque Best Western oui, a investi, époque hôtel a fait ici. C'est hôtel lui avec Digicel NAT comme il n'y a presque pas d'investissement fait réellement non, ici. Non, et le Digicel t'a fait là, oui. Bah quoi c'était ambassade ou bien mission, c'est ou bien venu avec oui. C'est... Et puis là nous dit 100 millions de dollars, mon gars qui a 100 millions de dollars dans un paquet. Comme 100 millions de dollars, c'est pas un seul business investi. Et là, je dis, business, sont au moins une entreprise, au moins une multinationale, c'est pas un gros bagaille. 100 millions de dollars et pour un gros bagaille. Investissement 100, 200 millions de dollars fait chaque jour en République Dominicaine. Chaîne d'hôtel qui a construit, c'est 200, 300, 400 millions de dollars à terre. Ça, il est nous dit 100 millions de dollars investissement qui a un gros taux de croissance. Là, il va vous dire son paquet de bagaille lié. C'est parce que ta économie est tellement faible, n'importe 150 millions, 200 millions de dollars nous mettons à terre là comme investissement, on doit avoir une croissance économique de 8, 9%. Parce que ta économie est tellement faible. 100 millions nettement insuffisant. À ma parole de oui. Volume investissement. De volume investissement. Direct oui. À l'étranger. Il n'y a pas de suffisant. Pour avoir vraiment un impact sur l'économie, il faut commencer à arriver à 400 pour aboutir à 600, 700 ou bien 800. Ah bah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que la Jamaïque, volume IDE, c'est 800 millions de dollars par année. 800 millions de dollars par année. Nous Jamaïque, nous a 2,7 millions d'habitants, si je me songe. Oui. Nous même nous gagnons 11 millions. Il y a à peu près okay. 10 000 km carrés. Il y a sûrement bien intelligent que nous. Non, il y a bien intelligent. Il y a des politiques okay. Appliquées. Je ne parle pas de politique là. Non, moi, je me disais, c'est oui. Je ne dis pas intelligent. Je dis sûrement bien intelligent. Vous répondez moi. Non, il y a des politiques. Soit fait diplomatie. Donc, il y a des gens Jamaïque qui décident. Non. Soit fait diplomatie économique ou pas faire diplomatie économique là pour contre lui. Il faut l'accompagner d'intelligence économique. De processus, j'en dis, de veille stratégique et de veille économique. Okay. Faut qu'on sache qu'on passe. Ça dit, autorité qui en place, yo, yo pas tant de bail ça ou bien yo pas connaît ou bien nous pas bail. Bon, faut qu'on des spécialistes qui tapent sensibiliser sur la question. Moi, je me bon, souviens. Bon, bagay job. Non, moi, je me souviens. Ça va me devenir intéressé à un certain moment sur ce qu'on appelle la veille stratégique ou bien l'intelligence économique. C'est Joseph Bouffard Thomas, par contre, Joseph Bouffard Thomas qui connaît un ONG qui est Haïti Futur, qui lui-même sont spécialistes d'intelligence économique. Joseph Bouffard Thomas, c'était mon qui a fait l'intelligence économique pour les grandes entreprises françaises, les grandes multinationales françaises. Mais il vient en Haïti. J'ai été la première personne à faire une interview avec Joseph Bouffard Thomas à Radio Galaxy. Ensuite, je fais conférence avec lui dans l'Institut français. À l'époque, il a fait conférence. Mais ça remonte à longtemps. C'est lui-même qui est venu en Haïti avec la question d'intelligence économique. Et c'est lui-même qui était initié dans l'intelligence économique. Fait venir l'intelligence économique. Mon cher dossier, il fait ça avec toi. Son monsieur qui est Jacques Attali. Jacques Attali, hein, son nègre, bon, il danse tout bord, hein, il écrit 20, il écrit pour Webni, il écrit l'histoire, tout, mais il travaille en pile sur le dossier économie, sur le dossier compétitivité. Je suis venu à Paris, et puis on a mis un invité, et puis après, il a fait ses blagues, et puis c'est Jacques Attali, quelqu'un de connu, et puis on a vu la télévision. Et il m'a fait blague avec Jacques Attali. Yeah. Et puis quand je lui explique que je suis la République d'Haïti, il dit oui, j'étais en République Dominicaine. Il dit, ah oui, vous étiez en vacances, et comment ça a été le soleil? Et grand rapport là le fait. Mais ça, c'est si ça mal prend, oui. Il dit, comment ça en vacances? Non, question de vacances. Mais c'est là le livre. Oui, ça, c'est un livre lié, c'est pas rapport, c'est pas rapport, non. C'est là le livre. Que le gouvernement dominicain lui a commandé. Gouvernement dominicain invité lui-même, Marc Toiti, Hélène Gies, travaille selon un paquet de grands économistes pour qu'on ait comment il a développé la République dominicaine, comment il a attiré l'investissement dans la République dominicaine. Alors, pas dire combien le toucher, mais c'est largement dans nos moyens. Je connais, on prend compte comment il fait, on va aller comme on a dépensé dans l'autre bail qui va être intéressant. Donc, nous devons faire ça tout. Mais la seule chose, je n'ai pas été impressionné par le rapport à Tali sur la rue. Il fait de toi, Alors, c'est logique, je voulais vous dire, oui. J'ai l'impression que n'y pas servi avec des ressources locales. Oui. Il est avec des ressources marocaines. Des ressources étrangères, nous m'a pas dit. Par exemple, il fait des erreurs sur l'association des États de la Caraïbe. OK, AUC. A dit là le président AUC comme une organisation qui gagne l'argent qui a aidé la République dominicaine alors que c'est pas vrai du tout. OK. Alors ça me plaisir. C'est mon moto dominicain lui-même
Ils ont une approche très souvent scientifique. Wow, nous même nous avons une approche émotion aller net. Yo fait planification. Moi mes figi monsieur, yo fait planification. Dis à monsieur nous même j'en avais, même l'aide même j'en avais, même ballon grain vote. Dis à mon cher, m'a prend monsieur. Dis tel monde fait tel bagage, m'a fait genre. Dominicain cousin a réfléchi sous 10 ans, sous 15 ans. Non, yo fait planification. Qui monde l'a gagné comme dominicain, qui monde l'a gagné comme dominicain. Comment l'a investi encore, qui taux de croissance libre besoin, dans qui secteur porteur li ka investi. Yo te remet sur campi lui. Mais les cycles commencent à bon zan mam. L'autre bois fait betterave, il a fait sucre dans rose et ça cause l'autre cause zan mam, ça le fait. You are out of the game. Il a quitté ça. Il a la parole cycle encore. Il tout fait le boule manger. Mais c'est bon bail qui est important. Là aller dans secteur des services. Il dit mon cher touriste là, qu'a manger aujourd'hui. La République dominicaine est la première destination touristique de toute la Caraïbe. Non, yo même yo fait planification. Eh bien, bon, planification parce qu'on a des gens qui plein, des gens qui pensé. Non, bon, allez, c'est go. Nous même son problème culturel en Haïti. Donc, il y a des gens qui fait planification tout. Okay. Et il y a certaines traditions, il y a des gens qui font planification bien. Mais il y a un problème culturel à la base et c'est un problème généralisé. Ils arrivent de son problème culturel. Les Haïtiens en fonction de leur mentalité de marronnage. Tout Haïtien fait marronnage. Il a caché. Non non, yo pas rien fait planification parce que planification c'est ou par contre le cheval qui mettait ER. Un petit jeu hypocrite. Non, non, le cheval qui mettait ER pour lui. C'est-à-dire, il mettait ER, les objectifs où l'aller. Il n'est pas gardé ni à droite ni à gauche. Là, l'objectif qui fixé en droite, planification, il boit des objectifs à atteindre. Il n'est pas gagné pour garder ni à droite ni à gauche en cours de chemin. Haïtien, Haïtien qui m'échappé. Haïtien, pas remis bail, cap bail. Eh bien, bon, continue avec la question. Haïtien, pas remis bail. Vous vous rendez là-bas où tu as un problème. Haïtien, pas remis bail compliqué même. Non, je ne parle même pas remis. Et moi, étudier Haïtien, pas tellement remis mathématiques ni philosophie, tout, non. Vous comprenez? Bah, réflexion, pas vous. Non, ça, c'est l'autre affaire. C'est l'autre affaire? Ça, c'est une question de culture scientifique. Culture scientifique. Pour développer notre pays et surtout au niveau de l'université. Eh bien, on a les mademoiselles. Bonsoir, monsieur Estimé. Bonsoir, monsieur Belfort. Je suis Lundi Michael André. Lundi Michael André. Étudiante finissante en relations internationales. M'imagine me font constat. M'plus souhait que mission diplomatique haïtienne yo plus dans pays sefio que pays qui a risque tantôt Syrie, Iran, Irak, ça passe. Donc et puis m'a demandé tout comme si par rapport à ça n'ta parlé que gen pile monde qui pas compétent comme si dans mission yo. Est-ce que c'est pas parce que allocation comme si budget yo bay ministère affaires étrangères là comme si qui paraît trop petit puis on t'a engagé monde qui faut monde qui pas correct petit non qui trop petit pas sous grandes ambitions de grandes ambitions ouais OK mais seulement m'a ponti à jour dans ça directeur Asia alors parler est-ce que c'est parce que budget a trop petit qui fait pas monde qui compétent tout non non pas ça OK non non mais c'est pour nous faire clarification OK soit sous grandes ambitions oui oui OK donc et puis m'a demandé tout et convention de Vienne sous qui régit rapport diplomatique comme si est-ce qu'elle pas paraître obsolète tout comme si par rapport avec nouvel ordre mondial là et puis comme si n'ta passé main tout comme si yo passé main dans convention n'ta passé main tout sous mission nou yo dans ministère affaires étrangères je ne vois pas le rapport entre les deux conventions non parce que c'est les régis rapport diplomatique entre pays donc tout monde comme si on changement mais l'autre changement ça sont pas à l'international convention sont pas qu'elle est signataire c'est état pour décider. Et la convention, tu as dit modalité tout. Je ne vais pas parler comme si on rapport, non? Mais changement, mais changement. Donc peut-être Haïti a assez que corps et tout, comme si pour t'apparaître comme si pour une mission comme si qui est à la hauteur, comme si pour ambassadeur. Vous venez faire des bandes de changement dans la convention. La convention, deux choses pas vraiment liées. Nous, quand on fait ça, on fait au lac nous, et puis l'autre bon. La convention, si, pour être une virgule là-dedans. Faut que je n'accorde. Et sont l'autre conférence internationale où elle a fait 3-4 ans, peut-être 10 ans. Tu prends la Charte des Nations Unies. Depuis tant d'années, nous avons parlé des réformes des Nations Unies. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas enlever un iota de la Charte des Nations Unies. Jusqu'à maintenant. Jusqu'où il y a un conseil de tutelle là qui bague au Ken Bay depuis 1994. Il a supposé éliminer. 1994, il a là, mais il y a des gens qui touchent sous lui. Et fait étrange, dans la Charte des Nations Unies, on a appelé le bien. Parce que pas oublié la Charte des Nations Unies, elle est faite. C'était au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. T'es quand guerre toujours en Europe, l'Eldap signe. Jusqu'à maintenant, implicitement, le Japon et l'Allemagne sont considérés comme des États ennemis de la communauté internationale. Ali Chatlabi Wabre. Eh bien, après, on a l'autre question. Ali Chatlabi Wabre. Son bagage peut être retiré. Mais on ne peut pas retirer comme ça. Il faut avoir le consensus de tout le monde.
Oui, moi remercie monsieur Belfort. OK. Moi remercie monsieur Stimé tout. Parlez plus fort. Non pas monsieur Roland Destin. Roland Destin. Roland. Roland H O. Oui, H O. OK. Et s'il permettez moi monsieur l'ambassadeur, peut-être tout à l'heure tu as un point de vue ou tu as essayé partager sur question tu as essayé parler de ordre central avec extérieur. Ordre. Oui, non, ordre ministère. Ah, ouais. Ordre central avec ordre. Oh, OK, on parle des services internes et services extérieurs. Oui. OK. Ou pas énoncer ministre plénipotentiel, pas comme pour quelle raison? Parce que si moi rappelle bien dans ça que me gain information sur lui, l'île déjà ministre plénipotentiel. Bon, c'est bon. Moi la diplomatie haïtienne été c'est ressusciter bah ministre plénipotentiel. Mais son bail remonté. Qui pourrait pas utiliser ce terme ça? Encore dans la diplomatie. Sur le plan historique, oui. Tu vois, on savait même donner des problèmes à un certain moment. Les dans le cadre de la diplomatie haïtienne, ils ont commencé à ressusciter le concept ça. Et puis, ils ont voyé mon comme ministre plénipotentiaire. Il y a deux pays qui ont refusé d'accepter mon nom. Ils ne sont pas salués. Ils ont obligé à le rechanger. À le rechanger le titre là. À le rechanger le titre là. OK. Okay. D'accord, merci. Ah, on va finir. Ah, okay. Oui. Que chaque pays a une forme de politique extérieure élaborée, nous-mêmes politique, nous-mêmes extérieure, ce qui accélère directement. Bon, M. K a toujours connu, comme c'est l'homme recevoir autorité ou pour autorité, il n'y a pas M. K a défini. M. K a toujours dit qu'il accélère politique extérieure, mais il n'y a pas lui-même qui a défini. Non, je dois répondre. Soit dans le document chancelier, ou pas vous aucun document officiel qui dit, mais qui genre, il politique étrangère haïtien défini. Tout bail. La seule chose, tout diplomate haïtien qui chevronné, tout diplomate haïtien qui compte dossier, tout diplomate haïtien qui remet pays, la privé dans n'importe qui enceinte internationale, la prendre ça pour le dire, et la prendre qui gens pour le défendre pays, et le compte qui objectif pour le défendre. OK. Donc, les cultures diplomatiques pays, oui, laisser les diplomates pays alliés tout bon, oui, les balles dans la technologie. Vous n'allez pas raconter des histoires. OK. Et le compte qui gens pour défendre pays. OK. Pourquoi défendre pays? Vous avez besoin de mon aldo qui vient pour défendre pays. Dès que vous avez le métier. Dès que vous avez le métier, moi-même, oui. Oui. Et même qui a un métier, nous m'avons espéré toujours. Les non, quand je dis le métier, je parle de l'expérience. Oui, les contraintes, vous la connaissance, non, non. Je parle de la connaissance et de l'expérience aussi. Si vous arrivez pour défendre l'intérêt pays, et puis vous arrivez pour. Vous n'avez pas contre objectif. Vous n'avez pas contre sa président, vous n'avez pas contre sa premier ministre. Gozan mi kap di mouche mba nan tèt président comme fait kon sa zanmi anvle mes amis. Ou nom n'est parler pou tèt li. On ale non. OK. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir monsieur Stimé. Émission fini bien vite. Même bas c'est noté. Non, c'est goût émission en goût comme ça. Ni moun kap gade ou pa wè s'il fini non. C'est goût émission en goût comme ça. Oui, sans frontière, oui Caraïbes ou dou, mes amis. C'est goût goût, oui. Ou pa konn l'el fini non. Ben, non pas monsieur Cineus Stevenson. Cineus Stevenson. Cineus. Au Cineus. Cineus Stevenson. Moi, c'est étudiant en droit. OK, question par maintenant, c'est tenant compte de faire ça qui a passé. Côté de donner un peu le monde a pris au secours, tout ça. En l'occurrence, monde qui Chili, Saint-Domingue, etc. Et puis, vous avez parlé de ligne hiérarchique. Vous avez dit qui c'est ambassadeur là en haut. Ensuite, vous avez besoin de ministre, conseil, des cadres. Hiérarchie administrative là. Oui, alors ou te bon m'te vle connaître est-ce que comme c'est pas un personnel juridique tant qu'on l'a garder droit mon yo ou pas vraiment respecté. Non, na tout temps. Na tout temps ambassade il y a la division de tâches. Il y a une section juridique, section culturelle, section consulaire, il y a un consulat dans zone là. Donc ça me devle dire est-ce que comme c'est li ou rejoindre dans ministre conseil ou des ministres conseil que vous t'es parlé. C'est-à-dire alors, monsieur Conné, est-ce que mon cap travaille sur le dossier juridique là où je n'ai un ministre conseiller ou bien un conseiller? Non, attribution de tâches, ça va dépendre de la mission. C'est l'ambassadeur qui décide comment la faire, l'attribution de tâches là. C'est la compétence pour nous. Non, de compétence pour nous. Ah, ou de grandes questions? Eh bien, quelle est la grande question? Allez, non. Bonsoir, monsieur Estimé. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Moi, c'est Colson Anglade. Colson Anglade. Étudiant en journalisme. Alors, monsieur l'ambassadeur. Monsieur Stimé, tu as fait des révélations côté que tu as gagné. Pas faire révélation, non, me rapporter. Rapporter des bagages qui ont passé dans le ministère. Pour poser les gens qui t'ont nommé comme cuisinier, c'est Stanley Lucas qui t'a dit dans l'émission Espace International quand il t'a invité. Donc c'est répéter, ça Stanley Lucas. Ok, côté que avec tout, il y a des étudiants qui ont dit des bagages côté que des sénateurs et députés qui t'ont nommé
de moun nan diplomatie haïtienne nan. Alors non, de député a pas ka nommé moun. Non, c'est non, là il dit fait nommé. Fait nommé. Côté que je dis à la ou passer environ 25 l'année en dans ministère affaires étrangères et dis-nous 1 2 3 4 est-ce que si l'on même diplomatie haïtienne nan a bien marché. Merci. Bon, ambassade a me déposé, il pas de vouloir répondre tout la question sur monsieur. Non, non, 1 2 3 4 mais bon diplomatie pas fonctionner. En 1 2 3 4. De dis nous ambassade a pas besoin venir la question ça. Non, j'aime te dire non. De où? Tu étais jour ou tu dis ça? On va faire un document répondre. J'aime te dire là ministre actuel. L'Elvin ministre affaires, il a fait des déclarations. J'aime te dire, on va passer à la net disant que ça ne marche pas et il avait donné les raisons pour lesquelles ça ne marchait pas. Pourquoi un personnel non pléthorique qui n'est pas formé qui recrute n'importe qui gens les derniers de base. On nous ça déjà toi ambassadeur. Ouais. Bonjour et monsieur Fernando Estimé. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Non pas moi c'est Samuel Marseille. Oui, moi j'ai trois préoccupations. Bah yo vite première préoccupation moi j'ai c'est sous service protocole et ministère affaires étrangères là. Comment ça marché tant que parce que j'ai dernière fois président et en voyager en Europe pratiquement en France côté que des difficultés qui t'ai fait arriver un peu en retard bon on t'a remis connait qui ça t'est causé et qui ça qui t'a supposé faire pour ça empêcher alors dans dernière émission ambassadeur subis répond nous il dit gendé les présidents qu'on a parlé côté lui même qui ambassadeur al c'est dommage il pas connait donc gendé les mes amis service photo qu'on a fait étranger à con innocent on va continuer on t'a remis connait non mais pas deuxième mais on va peut-être faire trois préoccupations mais on l'autre préoccupation pour nous finir. OK, l'autre préoccupation moi c'est à propos de donc les voyages qu'a fait donc voyage les missions yo donc la délégation yo pour qui ça gagne pile monde comme ça qui t'a remé pour ta dim en tant que ancien directeur général qui ça qui cause que des dizaines de monde aller juste peut-être une simple mission s'il vous plaît. Eh bien OK, d'accord, merci. Bon, ça va dépendre de nation mission hein? Ça va dépendre de grand monde qui chef délégation soit prend un président qui va le déplacer capable dans l'autre pays. N'a toujours grand pile monde. Rien qu'au niveau de personnel de sécurité. Président même s'il dans le pays capable sur sécurité, l'obligé de déplacer avec personnel. Pas garde du corps seulement, l'obligé de déplacer avec personnel de sécurité. Là l'a déplacer tout. L'obligé de déplacer à comme monde cap maquiller tout. Même genre ouais mon n'a pas maquillé. Je démaquille même il m'a dit non, Émilie qui se bien maquillé mon cher. Émilie merci en pile pour maquillage là. Donc l'obligé de grand monde cap occuper de lui. De quoi elle va le faire en compte pour mon nom aussi pour le guetter. Faut ensemble la président. Dans un président n'est pas un gars, on n'est pas tout ni. Vous voyez le président et ton président. Faut le grand chef protocole ou bien un agent protocole. Faut le grand des spécialistes qui entourent tout. Donc là, on prend tout paramètre en considération. Les vins bon, certaines quantités. Bon, parfois, elle a exagéré. Mais au président, pas qu'elle paraît déprimé comme ça à notre pays. Eh bien, ambassadeur, tant qu'on soit dit président déprimé, donc n'a pas président déprimé à la bonne campée. Ambassadeur, faut laisser conclure là, conclure bref pour moi en une minute. Temps fini net, une minute. Ambassadeur, diplomatie haïtienne, n'a pas d'amour. Comment on a fait? Bon, tout d'abord, on prend les mesures qu'il faut prendre. Ou prend les mesures qu'il faut prendre. Ma prépète puis forme balle et puis forme. Pour une mesure qu'il faut prendre, c'est augmenter le budget. Le budget, c'est vous-même qui prépare. Augmentation du budget. Ensuite, définir une politique étrangère qui est écrite, avec objectif, ensemble avec le président, parce que le président est un acteur important. Donc, avec le président, on définit grand objectif politique étrangère. Dit, pour le club, ce n'est pas mon cap défini ou bien mon diplomate. Pas de devinette cap fait dans la diplomatie. L'écrit, tout le monde connaît. L'écrit, tout le monde connaît. Et puis maintenant, l'outil diplomatique pour rendre beaucoup plus performant. Que ce soit aussi diplomatique, là je parle de aussi diplomatique, je parle de personnel diplomatique, que ce soit monde qui est dans le ministère ou bien monde. Donc personnel diplomatique, là, il faut le compétent pour ça. Il faut le compétent. Parce que ou pas capable une grande ambition diplomatique, et puis sous pas qu'on des monde qui sont diplomatique. Ambassadeur, bah nous 1, 2, 3, 4, là, ou t'as demandé l'autre 1, 2, 3, 4, ou pas joindre, mais moi, je n'ai 1, 2, 3, 4 quand même. 1, 2, 3, 4, pas même joindre, ni premier ambassadeur, faut nous. Définir en politique étrangère digne de ce nom de conseil avec le président pour nous connaître l'écrit, nous connaître qui ça nous voulait. Faut personnel là, son personnel qui qualifié pour le job n'a pas fait. Faut nous augmenter budget ministère, budget à trop faible pour qu'on soit oui. Fait. Donc, mon cher ambassadeur, je vais te remercier plus. Parce que pas qu'à prendre de grandes ambitions diplomatiques et puis les tendances ne suivent pas.
OK. Pas intendance, c'est personnel de soupe, là. Non, n'a pas les deux. Donc, il faut une équipe qui pour bon résultat besoin. Le besoin de Ligue des Champions, il faut acheter jouer. Là, vous saliez. N'a pas les de la finance. Sans péché, Real d'achat bientôt. N'a pas les de la finance. Même j'aurais dit que la finance est le nerf de la guerre, mais la finance est aussi le nerf de la guerre. Le besoin l'argent. Au budget adéquat. OK. Donc, je demande à l'ambassadeur si la dirige la diplomatie, comment la faire, il parle nous. Eh bien, ambassadeur, je remercie dans sa frontière où tu es venu avec nous. Pour venir faire un petit parler avec nous, parce que l'expérience sur ces 25 ans dans le ministère des Affaires étrangères, où tu es à la tête, il y a une plus grosse direction ministère, qui est direction institution internationale, congrès et conférence. Alors, pas Franck Pilta comme directeur général, ou fait 8 mois, mais moi-même, pour un qui connaît ça, ça veut dire le directeur général, il met ses 3 jours, fait comme directeur général, il doit travailler tout le monde à épuiser. Donc, pour 8 mois, il était compte pour l'ambassadeur à épuiser. Tel mois, signer papier, tel mois, régler les dossiers. Donc, ambassadeur, merci. Pour service ou fait pour payer à tout, parce que moi-même, moi connais service ou rend nous. Peut-être l'autre monde qui l'a pas connu, mais moi connais service ou rend nous. Merci pour le travail ou son fonctionnaire modèle. Et merci tout de ce côté-là qu'on partage l'expérience avec les jeunes qui l'a, moi-même qui ont un petit âgé, qui ont même là, presque fait me semble à papa. Et après, les professeurs, mais même là, je me garde avec nous, Simon, bon, on a l'âge. Faites des mal. Eh bien, moi qui t'a regardé la caillou, sa frontière, vous remercie nous. Sa frontière, tu es très content d'entrer la caillou. Sans frontières pendant tout le mois de mars et mois d'avril, la chita sous diplomatie haïtienne. Prochaine émission, nous avons bien économiste Edzer Emile. Côté nous allons continuer à débattre dossier diplomatie économique. Par les diplomatie, c'est l'argent de mettre la donne. Si nous mettons l'argent, nous devons faire rentrer l'argent. Il faut nous connaître comment pour nous faire cob. Et même besoin de connaître comment le pays Haïti est capable de profiter de la diplomatie comme un outil de développement pour le pays à faire cob avec la diplomatie pour la diplomatie pour te manger la caille. Lo meton on ti moun ou mete l'école ou bal formation et ben lo voye le dehors c'est pour venir bagaille la kala et ben c'est manger à nous besoin porter et Dieu Emile pral garder avec l'autre semaine pour nous connait comment n'a capote manger la kala. Merci tout le monde, à la semaine prochaine.